donc il y a un temps gag, mais c'est normal. La nouvelle arrive, elle est là, elle est en fait. Je te la présenterai. Oui, bien. Alors, c'est bon. Je vous propose de commencer. Ouais. Il est peut-être pas très très fort, je sais pas ce que. Ouais. Je sais pas. Ça fait trop, ça fait la scène. Ouais, après. Ça donne quoi là? Ouais, c'est peut-être un tout petit peu mieux. Ouais. Bon, je vous prie d'excuser mon retard, mais nous l'étions de façon plus générale. Je me suis aperçu en arrivant ici que je n'avais pas pris de masque. C'est un acte manqué. On commençait à être pesant. Alors mon propos sera très simple. Donc je me présente. Donc je suis Pascal Mariotti, directeur du Vinatier. Je vais me sacrifier au rite de l'accueil et du lancement, tout en précisant tout de suite, et j'en suis désolé, que je devrais ensuite rapidement m'absenter. La plupart du temps, je fais en sorte de participer à une partie des colloques qui sont organisés. Mais il se trouve que le Haut Conseil pour l'avenir d'assurance maladie, en visio certes, s'intéresse actuellement, et notamment Nicolas le sait, à la question de la place des patients, mais moins sous l'aspect expérience et ressources patients dans les hôpitaux que pour le rôle qu'ils jouent sur le territoire et dans la cité en termes d'évolution de l'offre de soins. Notre sujet du jour, il est peut-être aussi pour partie celui-ci d'ailleurs. Et en l'occurrence, comme le projet territorial de santé mentale du Rhône est assez exemplaire et ambitieux en la matière, on est interviewé à quelques-uns et ça va occuper la matinée. Bon, tel n'est pas le propos ce matin. Je voulais vous remercier très simplement à la fois de votre présence et de l'initiative, parce qu'elle est importante. Et livrée, mais alors vraiment en non spécialiste, et sur un sujet que je n'ai pas pris la peine, et j'en suis confus de travailler plus avant pour ce matin, vous livrer un ou deux éléments, mais ce sera rapide, rassurez-vous. À titre d'anecdote, alors, en sachant par ailleurs, et je salue également la présence de Benjamin Roland, que enfin l'écosystème lyonnais s'est décidé à investir fortement sur la question des addictions et sur leurs enjeux. Le Vinatier n'y a pas été pour rien. Moi, pas du tout, puisque je n'étais pas là, donc j'en parle très librement. Mais on voit ensuite les enjeux que ça emporte entre les établissements et l'ensemble des acteurs. Parce que je pense que si par expérience, y compris de mon poste précédent, il y a une spécialité et une question qui se situe de façon complètement transverse à l'ensemble des acteurs, c'est bien celle des addictions, sous votre contrôle, Benjamin, mais je ne pense pas que vous me contredirez spontanément. Pour commencer par une anecdote, parce qu'à un moment donné, il faut aussi se regarder en face. J'ai pris il y a maintenant à peu près 2 ans une décision. C'était, puisque la question du tabac se pose évidemment, et souvent en première intention, c'est très anecdotique certes, mais de faire enlever le panneau hôpital sans tabac devant le Vinatier. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas être tartuffe jusqu'au bout. La question, elle se pose. On sait qu'elle n'est pas maîtrisée. Et qu'au bout du compte, on sait également, ce n'est pas propre au Vinatier, que face à cette question de la tabagie des patients, dont on rappellera qu'elle est aussi une partie de la iatrogénie de l'hospitalisation, puisqu'on nous le rapporte souvent, des personnes qui arrivent en hospitalisation en fumant peu, je ne dis pas en fumant pas, ressortent la plupart du temps, ou pour beaucoup d'entre elles, en fumant beaucoup, de par les effets d'environnement, les effets d'enfermement et les effets d'ennui. Parce que je pense que ce sont essentiellement des effets d'ennui et des effets d'inactivité notamment.
Alors cela étant, rappelons également que nos établissements, bon an mal an, et par la force des choses, sont finalement leurs propres buralistes, pour ne pas dire leurs propres trafiquants de cigarettes qu'ils délivrent à leurs patients, et que ceci fait partie, entre guillemets, des fonctions des cadres. C'est quand même en quelque sorte le monde à l'envers, ou quelque chose de très particulier sur laquelle l'hôpital psychiatrique finalement ne porte plus vraiment question. Je fais le pari que le jour, quand il viendra, où le cannabis sera légalisé, nous ferons en sorte, ou on finira par nous expliquer qu'il faut qu'on le délivre à nos propres patients, puisqu'ils ne peuvent pas sortir de l'hôpital et en ont absolument besoin. Bon, ce qui éviterait peut-être d'ailleurs que les trafiquants viennent directement assurer ce service à notre place. Bon, je ne me fais pas provocateur, mais je pense qu'effectivement, on est dans un champ de complète contradiction. Alors, je n'irai pas plus loin, parce qu'évidemment, c'est anecdotique, ça ne fait pas avancer le débat. J'aurais simplement signalé deux petites choses. La première, depuis un peu plus d'une douzaine d'années que je bourlingue dans le champ de la psychiatrie, en étant sur mes deux postes successifs, notamment confronté à la question des addictions et au rôle de l'hôpital en la matière, mais aussi avec ses partenaires, qui me semble que pendant longtemps, pour ce que j'en ai compris, et je le répète, je ne suis pas spécialiste, on a conçu les deux sujets comme certes interdépendants, ou en portant des causes et des conséquences. Alors les deux sujets, des addictions d'un côté et des pathologies psychiatriques de l'autre, notamment à travers un certain nombre de relations qui pouvaient en être faites par le corps médical ou soignant, mais sans manifestement, mais c'est vraiment une interrogation de ma part, c'est peut-être erroné, penser l'interpénétration des deux sujets, y compris et surtout sur le plan de la clinique. Comme s'il y avait en quelque sorte deux cliniques ou deux phénomènes distincts dont l'un impactait l'autre. Je me souviens, pour être plus précis, des propos de tel ou tel clinicien insistant sur, et on l'entend encore et on le lit encore beaucoup, sur les supposés effets de la prise de cannabis et notamment précoce, sur le déclenchement de pathologies psychiatriques, etc. etc. Bon, je ne vais pas aller plus loin sur le propos, je ne suis pas spécialiste, mais on voit bien que les deux restaient manifestement définis comme deux phénomènes interdépendants, mais séparés quant à leurs causes en quelque sorte et à leurs effets. Ensuite, et toujours pour relater ce que j'ai pu percevoir, et c'est la limite de mon propos, je trouve que l'approche, et elle est importante sur notre territoire, par les premiers épisodes psychotiques, commence à nous dire quelque chose de différent, et notamment sur les motivations ou raisons pour les plus jeunes de consommer du cannabis, quand le repérage des pathologies psychiatriques n'est pas encore effectué, voire quand bien même les prodromes ne sont pas encore tout à fait distingués. Et pour conclure mon propos, puisque mon interrogation s'arrête là, ce qui me paraît extrêmement intéressant, et c'est pourquoi je voulais vous remercier de cette journée les uns et les autres, universitaires et non universitaires, c'est qu'il me semble qu'aborder, je suis béotien, le sujet sous l'angle de la recherche, sous l'angle de la clinique, me semble afficher l'ambition de revisiter en quelque sorte le sujet, de le poser pour ce qu'il est, même si vous allez aussi parler territoire, prise en charge, accompagnement, mon propos n'est pas réducteur, mais que dans la compréhension des phénomènes cliniques dont il s'agit, faire dialoguer, superposer ou intriquer ces questions de pathologie psychiatrique et de développement de comportements addictifs ou de pratiques addictives, me paraît, puisque je raisonne souvent par comparaison et que j'essaie de me situer dans un temps plus long, renouveler une partie de l'approche et confronter en particulier les cliniciens de la psychiatrie à la question de l'addiction, non pas comme un phénomène en quelque sorte pour partie externe à la pathologie psychiatrique et surdéterminant ou compliquant celle-ci, mais comme un facteur en faisant intrinsèquement partie. Alors mon propos effectivement est peut-être erroné, je n'en sais absolument rien, mais c'est en quelque sorte au feeling, la perception que j'en ai un peu quand je vous écoute, les uns et les autres, et que je vois au fur et à mesure des années la problématique en quelque sorte évoluer dans la façon dont vous posez vous-même les questions. Voilà ma petite pierre à l'édifice pour cette journée,
dont je souhaite effectivement qu'elle soit la plus intéressante et la plus fructueuse pour vous. Et je vous remercie encore de cette initiative. Merci beaucoup Pascal. Bonjour à tous. À mon tour de vous souhaiter la bienvenue au Centre hospitalier de Vinatier pour cette journée sur les associations des pathologies psychiatriques et addictologiques organisées par le SAMSA Prepsy, le SUA, le service universitaire d'addictologie et le Centre ressources de réhabilitation psychosociale. Alors c'est un véritable plaisir de vous accueillir ici pour cette journée qui me paraît fort importante. Effectivement, pour moi, les comorbidités, addictions, pathologies psychiatriques sont avant tout un facteur d'échec de nos prises en charge. Alors je suis d'accord avec notre directeur qui vient de proposer qu'il fallait d'abord commencer par mieux comprendre, mais je pense qu'il faut aussi agir rapidement parce que c'est un facteur à la fois de précipitation mais aussi d'entretien des troubles. Et je pense qu'il faut aller vers des mesures concrètes avant même de pouvoir maîtriser tous les aspects de la problématique, même si je suis d'accord qu'il faut avancer dans le champ de la connaissance, simplement parce que nous voyons tous les jours des patients qui rechutent du fait de cette intrication, dont on comprend mal les enjeux, mais qui bénéficierait de prises en charge beaucoup plus intriquées, addictologiques et psychiatriques. Le fait d'avoir d'un côté la prise en charge de secteur de psychiatrie générale, et puis de l'autre le XAPA ou toute structure d'addictologie à distance ne fonctionne pas, simplement parce que ce sont des patients avec des difficultés extrêmes, des troubles de l'insight qui ne demandent rien. Alors dans l'addiction en général, on ne demande rien. Le stade contemplatif, on le connaît bien, il dure très longtemps. Mais quand vous rajoutez une pathologie psychiatrique, c'est encore 10 fois pire. Et là, ça ne donne vraiment aucune chance à ces personnes. Donc moi, je suis complètement convaincu, c'était ma motivation par rapport à cette journée, qu'il faut intégrer de l'addictologie au sein des secteurs de psychiatrie générale. Et nous sommes en train de travailler avec le professeur Roland, d'ailleurs, sur un recrutement pour le pôle centre rive gauche, parce que je suis sûr que ça apportera de grands bénéfices. Alors juste pour rappeler simplement quelques chiffres, si vous prenez le problème d'alcool, les troubles de l'usage de l'alcool, 1 sur 20 dans la population générale, 1 sur 5 dans le trouble bipolaire, c'est juste pour rappeler que ça multiplie quand même les difficultés. Le cannabis dans la schizophrénie, 26%, l'alcool, 24%. Donc ça aboutit à des prises en charge finalement à la fois délicates et surtout peu fructueuses. Donc je pense qu'on a vraiment tout intérêt à réfléchir d'un point de vue très fonctionnel, très tensionographique, comme on le fait en réhabilitation psychosociale, sur les enjeux, les mécanismes cliniques vraiment superficiels, pour aller vers des prises en charge qui seront plus efficaces. Je propose de faire ça tout de suite, et puis bien entendu de la recherche plus fondamentale, pour comprendre les mécanismes au niveau cérébral. Donc je pense que cette journée va nous ouvrir plein de pistes dans tous les champs qu'on vient d'évoquer là. Moi, je me réjouis vraiment qu'on puisse l'organiser malgré ce contexte sanitaire. Je crois qu'il faut que la vie ne s'arrête pas. D'ailleurs, la tension en réanimation baisse légèrement. Donc nous avons le droit de nous réunir là, de parler, d'échanger et puis d'aller de l'avant parce que la santé mentale est au contraire l'un des enjeux qui a été révélé par cette pandémie. Et ce serait complètement contre-productif et illogique de tout laisser tomber pour nous concentrer uniquement sur la protection et la diminution des contaminations. Donc merci d'être là pour tous ceux qui sont dans la salle. Merci à ceux qui sont en visio et puis bon colloque à tous. Merci Nicolas, merci Monsieur le Directeur pour votre accueil, merci Benjamin aussi d'être là et à vous tous qui êtes là physiquement et aux 180 à peu près personnes qui nous suivent en visio. Alors bon, c'est vraiment un honneur et puis une joie aussi d'être avec vous puisque en fait on va tenter de faire le numéro zéro d'un essai, j'espère qu'il sera fructueux. Pour vous expliquer un peu notre démarche, comme l'a dit monsieur le directeur et Nicolas, vous savez que nous sommes tous engagés dans l'accompagnement, le soin des patients usagers que nous accompagnons et nous sommes parfois bloqués dans nos tours d'ivoire, soit que ça passe CJC, soit CMP ou consultation libérale. Et la question que Prepsy s'était posée avec mon équipe, était d'essayer de faire mieux communiquer, créer des ponts entre ces dispositifs qui ont parfois, pour beaucoup de raisons, qui sont soit des raisons médicales, économiques, sociologiques, historiques, ont du mal à communiquer. Et on a eu la chance d'être soutenu par le Fonds de lutte contre les addictions qui nous a fait confiance et qui nous a permis de monter ce programme de bridging, de mise en relation entre les dispositifs. Et je salue mes collègues qui sont derrière, qui font l'accueil pour tout le travail qu'elles ont fait depuis quasiment un an,
de mise en relation, travail de fourmi, mais aussi travail à l'échelon régional. Et vous êtes la première région, je tiens à le dire, pour laquelle nous allons organiser ce type de rassemblement, rapprochement. Et nous essaierons de faire la même chose sur les 18 régions que constitue le territoire métropolitain et outre-mer. Donc c'est un essai, j'espère qu'il va être réalisé. Merci en tout cas de votre présence. N'hésitez pas à intervenir pour que ce ne soit pas une diffusion ou une formation encore une fois trop descendante. On a besoin d'avoir votre retour pour améliorer la collaboration, améliorer le circuit aussi, le parcours sur le territoire de ces usagers. Et nous avons engagé aussi les CPTS dans notre dispositif, puisque ce sont les communautés professionnelles de territoire de santé. Peut-être que certains d'entre vous sont là ou sont à distance et nous écoutent, j'en suis sûr, et qu'on va essayer effectivement de boucler la boucle, c'est-à-dire l'hôpital, la médecine de ville, les XAPA, les CJC, pour le bien-être et l'amélioration, la limitation des symptômes de nos patients. Merci en tout cas. Et donc, je pense qu'on va passer la parole à un de nos collègues qui est en visio, je pense, ou qui a enregistré sa prestation, puisque vous savez que certains d'entre nous n'ont pas pu venir au dernier moment. Merci en tout cas et à tout à l'heure. Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je vais faire une intervention sur la question du repérage du statut tabagique dans une perspective de rétablissement. Je suis Anne-Cécile Cornibert. Pour situer mon intervention, je travaille au Centre Sources de Réhabilitation Psychosociale, qui est une instance non-soignante, qui participe au développement du pouvoir d'agir des professionnels en matière de formation, information, qui anime un réseau de centres de réhabilitation psychosociale à l'échelle nationale, qui participe à la valorisation des bonnes pratiques et des savoirs expérientiels en psychiatrie, qui mène un certain nombre d'actions de lutte contre la stigmatisation à travers des dispositifs comme ZEST, zone d'expression contre la stigmatisation, et qui produit de la connaissance scientifique à travers une base de données qui inclut aujourd'hui près de 4000 usagers de la santé mentale et de la réhabilitation psychosociale. Voilà, donc quelques constats pour agir sur cette thématique de la dépendance au tabac associée à un trouble. Donc, parmi les constats pour agir, la consommation de tabac diminue en France de façon continue depuis les années 90, mais ce n'est pas vrai pour les usagers de la psychiatrie. Les prévalences sont situées entre 60 et 80% contre 27% en population générale. On constate que le repérage n'est pas systématique, ni l'incitation à réduire les risques associés au tabac. Le tabac impacte l'efficacité des traitements pharmacologiques, les dosages sont majorés pour les personnes fumeuses, et le tabac constitue le premier facteur de risque de mortalité évitable chez les usagers de la psychiatrie. Pour information, plutôt, hein, je ne vais pas le détailler, mais je vous ai mis ce tableau issu d'un rapport de l'IRDES qui montre les taux de surmortalité des personnes présentant un trouble psychique sévère par rapport à la population générale. On voit effectivement que la mortalité prématurée est quadruplée et parmi ces raisons, les tumeurs, dont les tumeurs liées au cancer du poumon et les maladies cardiovasculaires. Alors, des moyens pour agir, une posture positive et centrée sur la personne, c'est ce qui fait converger les approches centrées sur le rétablissement et la réduction des risques, avec des approches qui permettent un accompagnement à la reconnaissance des forces, des limites, des expertises aussi des personnes en tant qu'usagères de la santé mentale et de l'addictologie. Le fait que chaque avancée puisse être présentée comme une victoire, qu'il n'y a pas de tentative qui ne soit une victoire sur ces troubles, avec toujours cette notion d'espoir, qui doit prévaloir, et puis le fait que, ici, l'autodétermination et les conditions du pouvoir d'agir seront les moteurs du changement de comportement qui n'adviendra pas, d'ailleurs, que de la personne elle-même. Alors, comment on peut favoriser le repérage de l'autodétermination? Plusieurs moyens, les stratégies motivationnelles, le fait d'apporter une information uniquement si la personne nous a autorisé à le faire, ça impacte beaucoup l'entrée dans la relation et ça peut vraiment favoriser la personne à écouter effectivement toutes les raisons qu'il y a à réduire sa consommation. Être en capacité aussi de présenter simplement les outils susceptibles d'accompagner les démarches d'arrêt sans se réduire à telle ou telle démarche, vraiment pouvoir être exhaustif pour que la personne ait le choix. On a aussi un certain nombre de grilles de repérage des consommations, d'auto-évaluation. L'idée, c'est toujours de pouvoir les utiliser en ayant explicité leurs objectifs aux personnes.
De la même façon, un certain nombre de campagnes de prévention aujourd'hui font jouer le collectif, comme le mois sans tabac ou la journée mondiale sans tabac. Là aussi, ce sont des opportunités pour majorer la motivation. On doit aussi s'attendre à ce que nos propositions d'arrêt ou de réduction du tabagisme ne fonctionnent pas et qu'elles fonctionnent à un autre moment. En tout cas, de toujours s'autoriser à réitérer la proposition et ne jamais considérer que c'est peine perdue. S'autoriser aussi à proposer des alternatives, comme la cigarette électronique. Alors, c'est vrai que le dernier rapport de l'HESP n'est pas favorable, mais dès lors que c'est une démarche d'arrêt et qu'elle est accompagnée par un professionnel de santé, c'est un outil qui a fait ses preuves jusqu'à présent. On peut aussi travailler sur la motivation à l'arrêt, faire échanger les personnes, notamment les récits de vie sur leur histoire avec le tabagisme, qu'elles puissent se rappeler de leurs petites victoires, que ça leur donne du courage pour reprendre effectivement une tentative d'arrêt. Pouvoir aussi évaluer le niveau de dépendance physique, le niveau de dépendance psychologique. Un certain nombre de tests existent. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir former ensemble une équipe pour définir ensemble des objectifs réalistes, personnalisés, avec un certain nombre de questions qui peuvent aider à personnaliser cet accompagnement sur l'évolution à terme de la consommation de tabac, sur le fait de pouvoir réduire le tabac en supprimant telle ou telle cigarette le matin, le soir, sur l'idée que, effectivement, si on a déjà réussi à arrêter de fumer, comment on s'y est pris, et sur les stratégies qu'on avait réussi à mettre en place au lieu de fumer. Voilà, on peut aussi aller plus spécifiquement sur les stratégies d'arrêt, qu'elles soient substitution nicotinique, pharmacologie, pouvoir annoncer qu'effectivement le traitement risque d'être assez long et assez intense, en tout cas les préparer à ce qu'il puisse y avoir des rechutes, mais ne pas renoncer pour autant, accompagner vers l'arrêt ou la réduction des consommations avec, comme je disais tout à l'heure, des stratégies adaptées, des moyens pour suivre sa consommation, comme les calendriers, les carnets de bord des consommations. L'idée de pouvoir anticiper aussi le risque de reprise du tabac, notamment quand l'entourage fume, comment on va s'y prendre pour essayer de résister à la tentation. Il y a un certain nombre d'approches qui existent aujourd'hui, comme Make Every Contact Count, l'idée étant que chaque contact avec un professionnel autour de cette question du tabac peut être précieux, peut amener à des décisions davantage promotrices de santé, qu'on n'a pas à se sentir illégitime à parler avec la personne de son statut tabagique, à lui proposer aussi des temps ensemble pour travailler sur une possibilité de sevrage. En tout cas, l'idée étant que là encore, dans une trajectoire de vie, tout contact avec un professionnel sur ce sujet peut vraiment être décisif. Les approches motivationnelles, j'en ai parlé beaucoup, avec surtout l'idée de garder en tête constamment la notion de plaisir. Qu'est-ce qui va pouvoir nous faire plaisir autant que le plaisir qu'on éprouvait potentiellement avec la cigarette ? Pour passer à l'action, au niveau des professionnels, ça se met de plus en plus en place, hein, des ateliers de mise en questionnement où on peut travailler sur les raisons qui font que la gestion du tabac en établissement de santé est compliquée. Le fait qu'on n'a pas les aménagements nécessaires, qu'on aurait des besoins qui ne sont pas comblés, quelles sont les représentations que l'on a, est-ce qu'il nous manque des connaissances, est-ce qu'on a besoin de formation. On a aussi la possibilité de mettre en place des ateliers d'écriture, cette fois auprès des usagers, pour lancer une dynamique collective, que les usagers puissent renforcer ensemble leurs compétences psychosociales et prévenir l'usage du tabac. Voilà. Au niveau des données scientifiques, l'étude Cimitar Plus est assez encourageante. Hein, une publication récente dans le Lancet Psychiatrie, donc à haut niveau, avec les résultats que vous voyez ici. Hein, je ne vais pas m'attarder, mais vous verrez qu'à 6 mois et 12 mois, les résultats sont tout à fait encourageants pour une intervention qui va combiner à la fois des apports liés aux thérapies cognitives ou comportementales et des traitements de substitution nicotinique dans le temps, avec un suivi très ténu et des conclusions qui laissent penser que, où qu'on en soit dans son parcours en psychiatrie, les professionnels de santé devraient demander systématiquement si la personne désire s'arrêter de fumer, être en capacité de l'orienter vers les bons interlocuteurs pour assurer cette démarche, qu'ils puissent proposer des programmes qui soient personnalisés aux personnes qui présentent des troubles psychiques sévères pour les accompagner dans une démarche qui ne sera pas la même que lorsqu'on n'est pas en situation de problématique psychiatrique, avec des niveaux de consommation de tabac qui sont bien supérieurs et des besoins qui ne sont pas les mêmes non plus et qui ne peuvent pas être assurés par des programmes et des approches plus classiques.
Voilà, en termes de ressources, alors ce n'est pas exhaustif du tout. Le manuel tabagisme et santé mentale qui a été réalisé par le RESPA, auquel j'ai eu la chance de participer, qui a été publié en 2019. Plus récemment, l'OMS qui diffusait cette infographie et un guide repère sur la question de l'utilisation du tabac en santé mentale et les raisons d'agir. Le guide du FARES, psychiatrie, santé mentale et gestion du tabagisme, qui est réactualisé tous les ans avec des pistes très concrètes d'action à l'échelle des établissements de santé. Et enfin, les outils de la Fédération Addiction pour rendre plus tangibles l'ensemble de ces outils de co-construction et de développement du pouvoir d'agir. Ils ont été développés par l'Union régionale des Hauts-de-France, et que je vous invite à prendre connaissance si ce n'est pas déjà le cas. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez évidemment me contacter via cette adresse email pour toute question par rapport à la stratégie du Centre Ressources à l'égard de cette question du tabac. Et je vous souhaite une très belle journée. Donc vous avez entendu Anne-Sophie Cornibert, qui est chef de projet sociale. C'était pour lancer un petit peu la discussion. On a un petit peu inversé les choses. Là, c'est le début en fait de la première session. Comment structurer le repérage? Et on va laisser réagir Patricia Medina, qui est responsable d'études et représentante de l'Observatoire régional de santé Auvergne-Rhône-Alpes, qui est dans la salle, m'a-t-on dit. Merci. Je vous vois. J'enlève les lunettes et je vous laisse venir au pupitre. Bonjour. Bonjour, donc je suis Patricia Medina, responsable d'études qualitatives à l'Observatoire régional de la santé. En effet, alors peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà l'ORS, on est une structure associative. Il y a un ORS par région en France et nous avons pour mission de réaliser des études en santé publique. Voilà, à l'échelle territoriale, régionale et infrarégionale. Donc nous travaillons beaucoup, souvent avec des bases de données. Alors en Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont souvent des bases de données qui nous sont transmises par l'Agence régionale de santé. Mais nous effectuons aussi des études qualitatives, donc en mobilisant des outils qui relèvent plutôt de la sociologie ou de l'anthropologie. Donc on a ces deux volets d'études, ces deux types d'outils d'études. Donc là, je voulais vous parler alors avec un point de vue qui n'est pas non plus du tout un point de vue de spécialiste par rapport à ce qui était dit en début de matinée, mais plutôt juste un tout petit éclairage sur la notion de parcours de vie, le parcours de soins à l'échelle des territoires et des liens complexes qu'on a pu observer, voilà, à travers notamment les diagnostics, les types d'études qu'on appelle diagnostics locaux ou territoriaux de santé. Alors depuis 20 ans, donc, l'ORS réalise de ce type d'études, voilà, avec des données quantitatives et qualitatives à différentes échelles. Alors sur les données quantitatives, c'était la première question que vous avez posée, Madame Alleghi. Donc nous n'avons pas aujourd'hui de données quantitatives à produire sur les pathologies duelles. En tout cas, on ne nous a jamais fait cette demande à l'échelle des territoires. On pourrait travailler dessus, notamment je pense avec les données du SNDS. Il serait probablement possible d'imaginer des études de ce type. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, ce sont plutôt des résultats issus de nos travaux qualitatifs sur les territoires. Donc ces territoires qui sont des territoires de vie pour les patients, pour les usagers qui sont aussi des habitants, très souvent, voilà, sont des échelles communales, intercommunales, départementales, mais là ça commence à être un petit peu gros. Donc ces diagnostics servent et ont servi à nourrir, à appuyer la mise en place de divers types de démarches. Alors bien sûr, peut-être que voilà, certains d'entre vous les connaissent, les ateliers santé-ville dans les zones urbaines, et puis ensuite les projets territoriaux de santé mentale, et puis maintenant les contrats locaux de santé. Donc ils sont des outils qui permettent de planifier, voilà, un petit peu la santé, aussi bien sur l'aspect du soin que de la prévention, à des échelles locales qui sont celles des communes ou des intercommunalités. Et donc ce sont des outils qui sont assez intéressants puisqu'ils permettent, leur but c'est de permettre la rencontre de tous les acteurs formels et informels de la santé, c'est-à-dire qu'on est à la fois bien sûr sur la psychiatrie, sur la dictature, et puis tous les travailleurs sociaux, tous les acteurs de l'insertion professionnelle, sociale, du logement, qui vont aussi à un moment donné, qui peuvent se transformer en acteurs de santé, notamment sur de la prévention primaire.
Donc, dans ces diagnostics et dans ces études, la question du dialogue entre addictologie et psychiatrie a souvent été effleurée. Alors, c'est voilà, en fonction des personnes que l'on rencontre, que l'on interviewe, qui sont à la fois des professionnels, mais aussi souvent des habitants, parfois eux-mêmes usagers. Eh bien, voilà, cette question est effleurée, parfois plus spécifiquement abordée, toujours en lien avec le parcours de vie et de soins des patients. Parce que c'est vrai que à l'échelle de vie des personnes, la question du parcours de vie est essentielle, c'est-à-dire que le soin s'inscrit dans un parcours de vie et pas l'inverse. Au cours du temps, ce dialogue semble, alors du point de vue de notre petite lorgnette, semble avoir fortement évolué. Au début des années 2000, on avait le sentiment que ce dialogue, en tout cas à l'échelle des territoires, à cette petite échelle, était plutôt difficile, voire parfois inexistant. On voyait on entendait des discours de professionnels d'un côté et de l'autre, si je puis dire, qui nous parlaient de patients concernés par une pathologie psychiatrique et par une addiction. Sans prise en charge, avec des prises en charge séparées et parfois avec des ruptures de prise en charge et de parcours de soins favorisées par ce faible lien entre addictologie et psychiatrie. Alors on entendait deux types de discours et je vous ai fabriqué des faux verbatims, mais en gros qui résumaient les deux idées suivantes. La première, donc, c'était ce qui semblait être dit dans les hôpitaux, le patient doit d'abord être sobre, voire sevré, avant qu'un soin en santé mentale ne se mette en place. Et l'autre discours qui était, le patient devrait d'abord être pris en charge en psychiatrie avant qu'une prise en charge en addiction soit possible. Alors, c'était une époque qui est probablement révolue, mais en tout cas, voilà, c'était les discours dont on nous faisait part dans ces années-là. Et puis, au cours des années, on observait un dialogue qui s'est développé, peut-être dans un contexte aussi global, de meilleure connaissance, reconnaissance sociale des addictions. Alors là aussi, je vous parle vraiment de cette petite échelle qui est celle des territoires, mais celle où les gens essayent de tricoter quelque chose concrètement, avec du partenariat aussi à ces petites échelles. Alors les addictions, voilà, semblent de mieux en mieux reconnues comme un problème de santé, c'est-à-dire qu'on voit des travailleurs sociaux qui en parlent comme une problématique de santé, ce qui n'a probablement pas historiquement toujours été le cas. Et puis, à l'échelle des territoires, on voit aussi, par exemple, typiquement, c'est des choses qu'on nous disait régulièrement, moins de forces de l'ordre au coin de la rue, à proximité des XAPA, donc à l'époque, évidemment, des CSST ou des CCAA. Et des carudes. Donc c'est vrai que voilà, la place de l'addiction comme de plus en plus reconnue à ces échelles modestes comme un problème de santé a probablement contribué à changer la donne. Le concept de réduction des risques aussi donc semblait mieux reconnu des professionnels de santé, mais aussi du social, de l'insertion. Donc c'est quelque chose qui commence à devenir un socle de culture commune. Et puis la nécessité des approches globales avec cette idée qu'il faut décloisonner les différentes prises en charge par rapport aux patients. Et puis de plus en plus partager ce qu'on arrive à tisser autour des patients pour permettre un parcours de soins qui s'inscrive dans un parcours de vie avec le plus de continuité et de cohérence possible. Enfin, la santé mentale, un champ qui s'ouvre à l'interdisciplinarité, à des échelons locaux, notamment avec les ateliers santé-ville, mais aussi les conseils locaux de santé mentale. Les années 2020, donc c'est maintenant, finalement, on a le sentiment, en tout cas, de notre, pour ce que l'on peut en observer, que ce dialogue et la culture commune qui semblent se renforcer sont de plus en plus une actualité. Donc on a des acteurs de l'addictologie qui sont aujourd'hui reconnus comme des acteurs et partenaires incontournables de santé aux échelles locales. Alors évidemment, avec des permanences de XAPA dans des lieux non étiquetés, le développement des CJC. Le parcours de soins s'inscrit donc dans un parcours de vie là où aujourd'hui c'est quelque chose qui semble acquis, en tout cas acquis au moins sur le moyen terme. Et de plus en plus de territoires, on voit de plus en plus de territoires où les liens informels et aussi formels se développent entre psychiatrie de secteur et l'EXAPA pour développer des contacts, des échanges autour de cas concrets. Ça veut dire des gens qui se repèrent, qui se téléphonent. Ça veut dire qu'à des échelles locales, on a des espèces de mini-annuaires qui se fabriquent où les uns et les autres peuvent se contacter facilement autour d'une personne dont on sait qu'elle est suivie, qu'elle a un double suivi. Et puis, c'est aussi mettre en place, alors ensuite, à un niveau plus formel, des mécanismes vraiment qui facilitent les doubles prises en charge en psychiatrie et en addicto pour améliorer l'état de santé, éviter les ruptures de parcours de soins. Alors l'avenir, pour ce qu'on peut très modestement voir à cette échelle du territoire, c'est poursuivre, renforcer cette culture commune, les partenariats concrets. Et c'est notamment à cette petite échelle, en investissant et faisant vivre ces outils locaux, qui peuvent être des outils précieux quelquefois, que sont les conseils locaux de santé mentale, où on retrouve bien sûr les acteurs de la psychiatrie, de l'addictologie et tous ceux qui peuvent être ces acteurs cachés de la santé ou informels, et puis les contrats locaux de santé. Je vous remercie. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors effectivement, je me rappelle, il n'y a pas si longtemps où l'addiction était un critère d'exclusion, où la personne avait consommé du cannabis, elle était mise dehors, rupture de tout soin, d'une structure sanitaire, sociale, médico-sociale. C'était vraiment extrêmement choquant, ça ne laissait aucune chance à une partie de nos patients. Donc on voit quand même le chemin qui a été fait.
Mais là, on en est quand même à commencer à se téléphoner, c'est ce que vous disiez, à travailler un petit peu ensemble. Je crois qu'il faut vraiment intégrer les soins pour des patients qui ne demandent rien, parce que ceux auxquels vous faisiez allusion, c'est ceux qui sont conciliants, qui vont d'un côté, qui vont de l'autre, et on peut travailler ensemble, mais les plus difficiles échappent à tout, la psychiatrie et la dictologie, et c'est là qu'il faut vraiment pouvoir trouver des solutions concrètes en allant les chercher, parce que ce ne sont pas eux qui vont venir tout seuls. Voilà, merci beaucoup. Il y a peut-être des réactions dans la salle. Avant que vous preniez la parole, je voulais saluer les collègues qui sont en distanciel, comme on dit, puisque nous avons dépassé la barre des 200 connectés. Donc ici, nous sommes une cinquantaine à peu près, et 200 collègues nous suivent actuellement. Merci pour eux. Merci, effectivement, c'est un beau succès, qui ne va pas s'arrêter là. Pascal Mariotti, oui. C'est juste une remarque ou une interrogation pour connaître, pas bien, mais un peu quand même, les contrats locaux de santé, plus que la question des conseils locaux de santé mentale. Quand on considère les contrats locaux de santé, qui effectivement sont un vrai progrès, d'autant qu'on a glissé de contrats locaux de santé mentale ou de projets locaux où on parlait spécifiquement de la santé mentale autour des conseils locaux de santé mentale, à une approche beaucoup plus large de projets locaux de santé et de contrats locaux de santé, où effectivement la santé mentale et partant la psychiatrie sont partie du sujet, et tant mieux, et où on voit petit à petit, notamment sur nos sujets de santé mentale et d'addiction, les collectivités locales, et là on parle du niveau communal ou intercommunal, qui considéraient il y a une dizaine d'années que ce n'était pas leur problème, parce que non compétentes, y compris quand on leur expliquait qu'on ne venait pas leur demander de l'argent, aujourd'hui s'emparer quand même, y compris par la force des choses, de ces sujets-là. Alors tel n'est pas mon propos. Il me semble en revanche que dans les contrats locaux de santé, et nous concernant, il y a des formes de biais que je soumets à votre appréciation, parce que je les vois un peu répétitifs. En quelque sorte, il y a 4 à 5 exercices imposés, et parmi ces exercices imposés, il y a la question, on va dire, des adolescents et des jeunes adultes, et en particulier des facteurs de risque qui sont les leurs en santé mentale. Et puis par ailleurs, effectivement, il y a la question des addictions. Les deux, étant très logiquement, on connaît ce phénomène relié. Et il me semble qu'un des biais, c'est qu'on ne considère le sujet des addictions et des publics à risque qu'à travers les jeunes, et qu'on ne considère jamais, ou très peu, les autres publics. Il me semble que c'est un phénomène assez répandu, parce que ces autres publics, et notamment plus âgés, sont soit considérés comme non à risque, on ne sait rien, ou hors périmètre. Et je pense qu'effectivement, certes, les contrats locaux de santé et les projets ont cet avantage-là, mais vu par la population et vu par les élus locaux, il y a cette espèce de superposition, certes en termes de risque et de prévention, pourquoi pas, je le comprends bien, jeune égale addiction. Donc, grosso modo, les autres n'y sont pas sujets ou ne les subissent pas. Il y a aussi des zones blanches et des sujets qui ne sont pas abordés. C'est juste un retour un peu d'expérience à travers les constats que j'avais pu opérer de mon côté. Merci beaucoup, Pascal. Le professeur Roland. Merci. On va essayer de trouver un micro mobile, peut-être. Ce serait mieux pour les débats, pour la salle, oui. Non, moi, je voulais juste revenir sur la question du tabac, parce que Pascal Mariotti en a parlé, vous en avez parlé aussi, madame. Et je pense qu'on oublie souvent que le tabac, c'est le deuxième facteur, après le cannabis, de rechute des troubles psychotiques après une hospitalisation. Hein, il y a beaucoup de données épidémiologiques qui montrent ça. Et il y a une banalisation du tabac. Alors, je ne sais pas s'il y aura une banalisation du cannabis. Il y a peut-être déjà une banalisation du cannabis, même si c'est un problème complexe en psychiatrie, avec beaucoup de patients qui fument et à qui on vend du cannabis dans les parcs des hôpitaux psychiatriques. Mais le tabac, c'est compliqué parce que c'est un facteur qui aggrave les troubles psychiatriques. Hein. Je parle des troubles psychotiques, mais même sur les troubles anxieux, les troubles du sommeil. Les symptômes dépressifs, on sait que c'est un facteur aggravant. Et il y a une forme de tolérance. Alors là où c'est compliqué, c'est que faut pas du tout faire de moi un chantre de l'interdiction du tabac dans les hôpitaux psychiatriques. Ce serait
d'abord impossible, et puis ce serait probablement contre-productif de juste interdire le tabac. Mais par contre, faire en sorte, et les services d'addictologie, les structures médico-sociales ont leur rôle à jouer là-dessus, faire en sorte qu'on puisse faire passer une culture de l'entretien motivationnel auprès des équipes de psychiatrie pour que très vite il y ait une éducation du patient sur l'intrication entre certains de ces symptômes psychiatriques et le fait de fumer du tabac, une intrication qui n'est pas forcément bien repérée ni par le patient souvent, ni par les équipes elles-mêmes. Je pense que ça doit faire partie d'une prise en charge psychiatrique de qualité. Et certains services le font, peut-être pas tous. Voilà. Donc certainement la solution à ça, ce n'est pas l'interdiction du tabac, mais c'est de travailler une éducation du patient et pourquoi pas des projets individualisés de réduction, d'arrêt du tabac au moment de l'hospitalisation. Il y a eu des initiatives pilotes d'arrêt du tabac proposées systématiquement aux patients qui sont hospitalisés, voire même d'unités sans tabac pour des hospitalisations libres, qui ont donné des résultats quand même plutôt intéressants, alors à l'étranger, pas en France. Donc voilà, en tout cas, alimenter une réflexion sur comment peut être la première approche tabac d'un patient qui est hospitalisé en psychiatrie, que ce soit en hospitalisation libre, en soins sans consentement. Pour l'instant, la réflexion est quasiment nulle sur ce sujet. Elle me paraît très importante. Merci Benjamin. Avec des enjeux de formation, effectivement, tu parlais des approches motivationnelles, donc ça veut dire une large formation des professionnels, médecins ou paramédicaux. Donc on va peut-être passer à l'intervention suivante, qui est celle du professeur Georges Brousse, qui est professeur d'addictologie au CHU de Clermont-Ferrand. Merci Georges d'être là. Je ne sais pas si tu as déjà passé tes diapositives. Bien, du temps que les diapositives se mettent en cours. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, merci Guy, merci Prepsy, merci le Vinatier de nous accueillir, Benjamin, dans cette journée sur les pathologies duelles. Alors, je vais parler du repérage, mais je vais le replacer dans un contexte plus général. Ça, c'est... Elle est là, ma clé. Mais je peux regarder maintenant, si vous voulez. Non. J'ai appelé ça modestement proposition Georges Brousse. Donc... Bien, je vais essayer de faire rapidement parce que je crois qu'on a peu de... Enfin, j'ai une dizaine de minutes. Enfin, je vais peut-être... Parce qu'après, il y a Jean-Michel qui intervient. Bien, le contexte a été rappelé et merci encore de l'organisation de cette journée et de consacrer une journée aux pathologies duelles, à l'interface des pathologies mentales et des pathologies addictives, tant on sait, ça a été dit à l'instant, que le sujet est d'importance. Alors les pathologies duelles, vite les définitions, mais c'est déjà été dit, mais c'est un processus quand même morbide et synergique. C'est-à-dire que ce n'est pas que l'association de deux troubles, c'est plus que ça, c'est que lorsque les deux troubles sont associés, eh bien, ils s'influencent l'un l'autre pour produire une nouvelle entité qui aura sa propre vie avec des propres problématiques. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une addition, c'est aussi autre chose avec la somme de symptômes, la disparition de symptômes et puis parfois des symptômes nouveaux qui apparaissent qui conduit évidemment à un retard diagnostique. Donc évidemment, la question du repérage des pathologies duelles s'inscrit évidemment dans un continuum du parcours de soins du patient où il sera pris en charge, on va le voir, dans deux filières qui sont classiquement les filières ou psychiatriques ou addictologiques, dans lesquelles évidemment le repérage de la pathologie mentale en addictologie ou de la pathologie addictive en psychiatrie devra être fait.
On sait évidemment qu'il y a une prévalence très importante. 20 à 30% des patients qui souffrent de troubles mentaux présentent des abus ou des dépendances à des substances, en dehors du tabac, dont l'importance a été rappelée à l'instant. Et puis, évidemment, les patients souffrant d'addiction, 40 à 50% d'entre eux présentent des pathologies mentales, tant il est important de dire aujourd'hui que la présence d'une pathologie mentale chez un patient souffrant d'addiction et la règle, et non pas l'exception, donc les rechercher. Évidemment, le repérage, ça veut dire dès que vous voulez une pathologie addictive, vous dites quelle est la pathologie mentale dessous. Donc déjà, finalement, un effort de repérage, c'est un effort de se poser systématiquement la question et ne pas rejeter. Et c'est un nouveau pari, c'est un pari, pour un Clermontois, c'est normal de faire des paris, mais en réalité, toujours se dire que derrière la pathologie addictive, lorsqu'elle est difficile à prendre en charge notamment, eh bien toujours se dire qu'elle est la pathologie mentale. Pendant longtemps, on a fait l'exclusion de la pathologie mentale en se disant « eh bien non, ce n'est pas une pathologie mentale parce qu'il n'y a pas tous les symptômes, parce qu'on ne peut pas complètement dire que c'est vraiment une schizophrénie, parce qu'on ne peut pas complètement dire que c'est un trouble de l'humeur. » Eh bien, je vous propose le contraire. Je vous dis prouvez-moi que ce n'est pas une schizophrénie, prouvez-moi que ce n'est pas un trouble de l'humeur, au vu de l'évolution, au vu des éléments diachroniques, notamment de l'évolution du patient, qui souvent, évidemment, vont dans le sens d'une pathologie mentale sous-jacente. Notre problématique, elle est bien celle qui a été énoncée depuis le début et qui sera évidemment celle qui sera annoncée toute la journée, c'est deux systèmes de soins qui sont cloisonnés l'un de l'autre, assez souvent, avec l'addictologie d'un côté, la psychiatrie de l'autre, évidemment avec des liens. Addictologie et psychiatrie sont pratiquement deux sœurs, si ce n'est deux sœurs jumelles, avec une approche multidisciplinaire en addictologie, donc plus transversale, évidemment. Il n'y a pas que des psychiatres en addictologie. En psychiatrie, évidemment, il n'y a que des psychiatres. En psychiatrie, il y a une approche plus ancienne, plus historique, plus structurée, avec des secteurs et des filières de soins. Les acteurs sont différents, avec, évidemment, mais quand même, il y a des similarités. Un champ sanitaire qui est fort en psychiatrie, mais évidemment avec une démographie médicale qui est ce qu'elle est, qui est fort en addictologie, issue notamment beaucoup de la médecine générale historiquement dans les XAPA, avec un lien particulier avec la psychiatrie, mais pas seulement, les urgences pour les deux disciplines, une filière de soins avec des soins de suite et des réadaptations, un accès aux soins plutôt spécifique en psychiatrie, bien qu'il puisse passer par les urgences, les CMP et la psychiatrie, mais dans sa discipline elle-même, tandis qu'en addictologie, le parcours de soins est plutôt multi-entrée et les patients rentrent un peu quand ils veulent dans le système de soins. Donc, en fait, évidemment, pour le repérage, c'est plus compliqué. Quand les patients sont un peu à différents endroits, c'est plus complexe en addictologie de voir arriver les patients et de, évidemment, faire des diagnostics de pathologie psychiatrique parce qu'il faut avoir la spécificité, la capacité de diagnostiquer tout cela. Les systèmes ne sont pas articulés, c'est une difficulté donc pour le repérage, parce qu'une fois qu'on se dit il y a peut-être quelque chose, comment je fais, vers qui je m'oriente. Articulation CMP-XAPA qui est difficile, ou XAPA-hôpital est souvent inexistante. La médecine de ville est souvent isolée, donc même si elle fait un repérage, vers qui elle renvoie. Il n'y a pas de système d'accompagnement ambulatoire des patients, et il y a quasi absence de dispositifs. On dit qu'il faut faire des dispositifs intégrés, c'est-à-dire des personnes qui sachent faire à la fois de la pathologie addictive et psychiatrique. On se rend bien compte que dans les faits, le système intégré, il est difficile à mettre en œuvre, sauf peut-être dans des centres experts hospitalo-universitaires ou d'autres types de centres qui ont développé cette culture. Il n'y a pas que dans les CHU, mais c'est vrai que c'est plus rare. Et évidemment, il faut prôner des approches plus, on va dire, coordonnées. Il y a des éléments cloisonnés, ça a été rappelé, le cloisonnement de la prise en charge du tabac en système de soins psychiatriques. Et pourtant, la question du repérage, elle est évidente. Ils sont sous nos yeux, les patients. Eh bien, non seulement ces patients ont des problématiques de tabagisme, mais au-delà de ce repérage-là, de cette évidence-là, il faut aller vers la prise en charge. Les pathologies chez les patients souffrant de pathologies psychiatriques qui sont qui souffrent d'addiction ou de dépression, qui sont présents dans les XAPA, eh bien, il y a peu de psychiatres pour les voir. Lorsqu'il y a de l'interface, les données de la littérature montrent une chose très intéressante à laquelle il faut s'habituer par rapport au verbatim qui était cité tout à l'heure, c'est que dans deux tiers des cas, lorsqu'il y a une pathologie duelle, l'entrée dans le système de soins de la pathologie duelle se fait via les centres d'addictologie. C'est par les centres d'addictologie que l'entrée en soins de la pathologie duelle, par les XAPA, parce qu'il y a une demande de prise en charge, par exemple, pour une addiction souvent aux opiacés ou à la cocaïne, avec des troubles du comportement associés. Donc c'est souvent de ce point de vue-là que la prise en charge est faite et donc que le repérage doit être fait. Et on doit insister là-dessus au niveau des XAPA. Une approche, il y a des recommandations, il y en a très peu, elles sont peu appliquées, il y en a peu. Il y a peu d'expertise, le niveau d'expertise est faible pour le repérage. La coordination entre les acteurs est souvent balbutiante, mais elle doit se mettre en place. Et évidemment, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est cette mise en place et on y travaille et c'est très bien. Et des lieux de soins structurés qui puissent prendre en charge les patients, eh bien, c'est encore ce à quoi nous devons travailler. Alors, il y a eu différents groupes de travail pour cette idée de repérage, prise en soins, filière de soins depuis 4-5 ans. Différents groupes de travail, le centre de preuve en santé mentale piloté par Olivier Cotensin, un travail sur le parcours des soins de soins des patients souffrant de pathologies addictives.
pour, et dans cette idée du parcours de soins, repérer la pathologie mentale sous-jacente. Le guide de la Fédération Addiction, qui a été piloté par Jean-Michel Delisle et moi-même, avec lequel nous avons travaillé auprès des acteurs pour savoir quelle ingénierie, quel type de système pouvait être généré au niveau des acteurs dans le repérage et dans l'accompagnement de patients souffrant de pathologies psychiatriques, comment on pouvait voir émerger une nouvelle clinique de ces patients addicto-psychiatriques, si je puis dire, et comment on pouvait encourager des solutions de terrain et en faire des solutions globales. Ce guide qui est disponible et que je vous invite à consulter si vous ne l'avez pas déjà fait, bien évidemment. Et puis ensuite, une journée de réflexion il y a pratiquement un an au ministère de la Santé, c'était là complètement virtuel pour le coup, où nous avons échangé avec tous les acteurs sous l'égide de la Fédération française d'addictologie, de la Fédération addiction, de tous les acteurs, Santé Mentale France, un certain nombre d'acteurs qui ont réfléchi à comment on pouvait prendre en charge ces problématiques de pathologie duelle. Et puis le COPIL psychiatrie au sein de la Commission nationale de psychiatrie qui était pilotée par Amine Benyamina, qui aboutit lors des assises de santé mentale à des propositions que nous avons faites sur la prise en charge des pathologies duelles, du repérage et de la prise en soin au sein des patients souffrant de pathologies addictives ou de pathologies mentales. En tout cas, c'était plutôt en santé mentale pour le coup. Les assises de la santé mentale, donc qu'est-ce qui a été proposé? Et donc là-dedans, on pourra sortir des choses qui ont à voir avec le repérage. Bien, c'est d'abord améliorer la formation des acteurs, c'est évident. Améliorer la coordination des parcours, pas forcément la possibilité de faire de soins intégrés, mais mieux coordonner les acteurs du parcours, favoriser des réponses intégrées sur tous les temps du territoire et favoriser la création de centres experts référents en pathologie duelle. Améliorer la formation des acteurs, c'est ce qu'on fait ici. Il faudra continuer des DU de pathologie duelle, par exemple, des enseignements fléchés en pathologie duelle, des formations d'infirmières en pratique avancée en addictologie qui est une base en santé mentale et un lien important. C'est ce qui commence à se faire, notamment sous l'égide de Benjamin Roland. Et ceci, évidemment, dans l'amélioration des repérages, favoriserait de limiter les errances diagnostiques qui sont très importantes. Elles sont les errances diagnostiques importantes en psychiatrie, 10 ans pour diagnostiquer un trouble bipolaire, 15 à 20 ans lorsque c'est un trouble bipolaire chez un patient souffrant d'addiction à l'alcool, par exemple. La deuxième proposition serait d'améliorer les coordinations des parcours de soins, donc en favorisant les liens entre les acteurs, évidemment, faire des conventions partenariales entre les XAPA et les CMP, faire des réunions de concertation pluridisciplinaires sur les cas complexes, sur les patients complexes, évidemment favoriser des dispositifs de coordination avec des équipes pluridisciplinaires, des équipes mobiles en pathologie duelle, par exemple, des équipes hors les murs, sur le mode des ELSA, où c'est des équipes psychiatrie précarité, par exemple, qui aillent entre les ELSA et les CMP. Évidemment, travailler plus avec les patients experts et les entourages, et les pères aidants, et les impliquant dans les parcours de soins. La troisième proposition, c'est de favoriser les réponses intégrées sur tous les temps du parcours de soins, donc favoriser le développement de dispositifs mobiles de soins psychiatriques intensifs à domicile, et acculturer les soins intensifs psychiatriques à domicile à la pathologie addictive, c'était dit, et plus loin dans les centres de réhabilitation, faire une acculturation sur tout le temps de l'accompagnement psychiatrique sur la réponse addictologique et pas la séparer en disant c'est de l'addicto, c'est pas de la psy. Eh bien évidemment, si c'est de l'addictologie, c'est aussi probablement dans ces patients-là, pour lesquels il y a besoin de soins intensifs, d'accompagnement au long cours, il y a souvent évidemment de la psychiatrie. Donc il faut renforcer des dispositifs, peut-être penser à des dispositifs, renforcer les dispositifs, quand je parlais de dispositifs d'accompagnement comme le 1 chez soi d'abord. Dans le 1 chez soi d'abord, il y a l'aspect santé mentale et il y a l'aspect addictologique. Et je pense que c'est un paradigme, un prototype d'accompagnement pour les plus défavorisés de cet accompagnement. Alors là, on n'est plus dans le repérage, on est dans l'accompagnement, mais on est dans un repérage secondaire de l'émergence de nouvelles pathologies addictives. Tant vous savez que les patients souffrant de pathologies addictives et de pathologies mentales peuvent passer d'une substance à l'autre. Ils peuvent passer de l'alcool au cannabis, à la cocaïne. Et il y a comme ça une rotation de substances, un transfert de substances. Donc il faut savoir repérer aussi ces éléments-là. Pardon. Et puis favoriser le développement de centres de soins, il va falloir aussi réfléchir à des modèles économiques, des modèles non seulement où on repère dans les services d'addictologie, par exemple, qui soient fonctionnels sur un niveau T2A, mais sur un niveau aussi de financement psychiatrique habituel, parce que des patients qui présentent des pathologies duelles sont des patients qui vont rester plus longtemps que 10 jours dans les centres d'addictologie, c'est-à-dire qu'ils vont rester plus longtemps que sur le modèle de la T2A classique, au bout de 10 ou 15 jours, les patients sortent parce qu'on a fait le sevrage complexe. Eh bien non, c'est des patients pour lesquels il faudra faire des batteries de tests, évaluer, les renvoyer vers des centres experts, réfléchir, faire des réunions de concertation, et le temps du repérage prendra plus de temps, et pour la stabilisation de la pathologie mentale également, il faut que ces centres existent et qu'ils soient des centres hybrides sur le modèle économique T2A DAF par exemple. Évidemment, il faut des logiques d'intervention intégrée hors les murs de la cité, en relation avec dans la logique du PTSM, dans la logique du contrôle locaux de santé mentale,
participer, les addictologues psychiatres doivent participer notamment aux cellules de crise hors les murs qui réfléchissent sur évidemment les patients complexes hors les murs. Ce sont des choses qu'il faut, auxquelles penser. La quatrième et dernière proposition, c'est favoriser évidemment la création de centres experts référents. Peut-être on pourrait avoir un modèle en France d'une dizaine de centres experts référents qui soient associés à d'autres types de centres, sur le modèle des centres experts schizophrénie ou troubles bipolaires, un réseau de centres experts. Et je pense que c'est une des propositions que nous devons faire, le centre expert en pathologie duelle, porté par un certain nombre d'acteurs. Aujourd'hui, on identifie à peu près ici et ailleurs des acteurs en pathologie duelle au niveau hospitalier universitaire qui pourront intervenir sur le sujet. Bon, je pense que j'ai dépassé mon temps, je ne sais pas. Mieux repérer, et donc il faut repérer le repérage. C'est que les pathologies duelles, c'est une association pathologie psychiatrique et pathologie addictive. Cette association crée une nouvelle clinique, masque un certain type de symptômes, et on est souvent dans une approche dimensionnelle. Ce sont des troubles souvent subsyndromiques. Il faut s'attendre, lorsqu'on a une pathologie duelle, à une association de troubles addictifs et psychiatriques où la maladie psychiatrique elle-même est subsyndromique. C'est-à-dire, vous ne repérerez pas une pathologie psychiatrique telle qu'on la repère classiquement à l'aide d'outils qu'on pourrait utiliser maintenant de type DSM-4 ou 5 en cochant les cases des différents symptômes qui permettent d'avoir une approche catégorielle syndromique. Au bout de 5 symptômes, je peux dire que j'ai le trouble. Eh bien, pour les pathologies duelles, il faut avoir probablement plus un regard sur des dimensions psychopathologiques qui sont très présentes et qui exprime la pathologie mentale sous une certaine forme chez le patient souffrant de pathologie addictive. C'est vrai pour les variations thymiques dans les troubles de l'humeur, c'est vrai pour la désocialisation, le repli sur soi, les symptômes négatifs très présents chez certains patients toxicomanes, notamment sans éléments, par exemple, délirants associés, où il faut savoir chercher, par exemple, un trouble psychotique. Et c'est vrai dans par exemple, les conduites manifestations suicidaires et des effondrements thymiques chez certains patients. Pensez toujours à ça chez des patients jeunes, résistants. Une pathologie addictive résistante chez un patient de moins de 30 ans doit faire évoquer systématiquement une pathologie duelle. Alors comment on va faire? Quels outils? Au jugé, à la clinique, à l'habitude, en se donnant le droit du pari dont je vous ai parlé tout à l'heure, des outils plus catégoriels, on coche des cases. Est-ce que le patient a tous les symptômes? Et s'il y a tous les symptômes, on peut parler de la maladie, passer par des centres experts, avoir une approche plus dimensionnelle, faire remonter des éléments symptomatiques qui vont nous permettre de distinguer des symptômes qui évoqueront des pathologies mentales qu'on se permettra de diagnostiquer et avoir une vision, permettez-moi de le dire, très diachronique. Très souvent, les patients souffrant de pathologie duelle passent de services à d'autres services. Il y a une rupture de la continuité des soins. Et comme il y a une rupture, il n'y a pas de coordination et on n'a aucune vision diachronique du parcours du patient. Donc chacun y va de son diagnostic à l'instant où il voit le patient. Et comme chacun y va de son diagnostic à l'instant où il voit le patient, eh bien, il n'a pas une vision diachronique de l'histoire du patient. Et ça, ce n'est pas de la psychiatrie, permettez-moi de vous le dire. Mais vous le savez. Et puis, ce n'est pas ici que vous allez me contredire. Enfin, des éléments, j'avais proposé avec Amine Benyamina un certain nombre d'éléments, bien chercher les antécédents familiaux dans le trouble bipolaire, évidemment, la biographie, toujours cette approche diachronique, l'anamnèse, qu'est-ce qui s'est passé dans l'adolescence, des éléments, des variations thymiques, l'utilisation de la substance, les éléments d'autosoulagement qui peuvent évidemment favoriser un repérage d'utilisation d'une substance dans un contexte d'anxiété, dans un contexte thymique, dans un contexte délirant. Ça a été rappelé avec le cannabis, avec le tabac, l'installation rapide du trouble, des sujets jeunes aux pathologies marquées, la fluctuation dans l'accès aux soins, c'est des patients très fluctuants au début, avec des polyusages très fréquents qui sont très difficiles à stabiliser, évidemment, qui requièrent souvent, dans l'hexapan on le voit bien, une posologie plus élevée de TSO, stabilisée avec des posologies plus élevées de méthadone, requérant parfois 150, 160, 180 mg, où la stabilisation est plus recherchée de ce côté-là. Après, différents types d'outils peuvent être utilisés. Il y a des échelles de type K6-K10, des échelles plus liées aux pathologies mentales, MADRS, mais ces échelles ne sont pas validées forcément pour les pathologies addictives, donc ça pose une question de validation. Puis il y a enfin une échelle de screening qui est la DDSI qu'on est en train de valider à Clermont-Ferrand. Un peu de temps, mais on est en train de le faire, qui est une échelle applicable sur une application smartphone ou tablette, où c'est un repérage, un dépistage très, très, très simple qui permet de regarder si, à l'aide de 63 items, en hétéro-évaluation, on essaie de valider en auto-évaluation, si un certain nombre de symptômes sont présents, on peut évoquer une pathologie mentale, tout en sachant qu'après, la discussion, elle sera... Une fois qu'on a fait un dépistage, ben regardez évidemment si la pathologie mentale est présente, avoir une approche catégorielle, ou alors, sinon, discuter entre nous, en réunion pluridisciplinaire, de la possibilité de la présence de la pathologie mentale et d'un diagnostic commun, construit avec une approche commune d'expertise clinique, si je puis dire. Je vous remercie. Merci, Gérard.
Merci beaucoup, Georges. Juste une petite remarque avant d'enchaîner sur la communication suivante. Tu as évoqué le rapprochement, effectivement, au niveau de certaines structures de l'addictologie de la psychiatrie. Je suis complètement d'accord. Par contre, ce ne serait pas forcément des centres experts. Moi, je proposerais plutôt d'appuyer ça sur le réseau de réhabilitation psychosociale, parce que tout l'aspect soins fonctionnels qui irait mieux avec, c'est juste une proposition. Et dans ce cas-là, ce serait des centres support aux références, c'est plutôt le vocabulaire qu'on utilise de ce côté-là. Donc, je vais passer la parole maintenant à Jean-Michel Delisle, qui est psychiatre, ethnologue, thérapeute familial, addictologue, membre de la Commission nationale des stupéfiants et directeur du comité d'études et d'information sur la drogue et qui vient de Bordeaux. Merci d'être là. Merci Jean-Michel. Bon, Jean-Michel, je te laisse. Merci. Merci. Alors, je viens de Bordeaux, mais en fait, je suis passé par Paris parce que j'avais une réunion hier soir et j'en ai une autre ce soir encore à Paris. Alors, ça m'a donné l'occasion, mais vous ne savez pas, d'arriver tout à l'heure à Perrache et de prendre le tram numéro 2. Et alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que ce que je faisais il y a 40 ans, quand je travaillais à côté à Desgenettes, pendant mon service militaire, comme psychiatre déjà, et où je venais rendre visite de temps en temps à mes jeunes amis à l'époque du Vinatier. Mais il y a 40 ans, donc ça fait un moment. Mais j'ai bien reconnu la ligne tram et tout ça. Donc, merci pour votre invitation. Merci Nicolas Franck. Merci évidemment à Benjamin Roland. Merci également à Guy Gozlan. Alors, avec Georges Brousse, nous avons formé une paire, effectivement. Il vous a présenté tout à l'heure le guide que nous avons coordonné au titre de la Fédération Addiction, justement sur ces approches combinées, voire intégrées. Et donc, je vous remercie aussi pour le titre de votre journée, là, qui est particulièrement mobilisateur pour nous, puisque je pense vraiment que c'est un enjeu essentiel dans la période que nous traversons. Alors, un point de cadrage, néanmoins, c'est souvent en santé publique, la question de la santé mentale en général et celle des addictions en particulier est souvent sous-évaluée. Et en fait, quand on cumule le poids en termes de handicap posé par à la fois les troubles mentaux, les conduites addictives, mais également certains troubles neurologiques, on se rend compte qu'en fait, c'est la première cause de handicap au monde. Donc on voit qu'il s'agit d'un problème majeur, pas simplement en termes de mortalité, comme ça a été très bien évoqué ce matin à propos du tabac, de l'alcool, des problèmes de drogue, les opiacés aux États-Unis, etc., mais aussi en termes de charges importantes, de fardeaux. Dans les pathologies duelles, je passe, il y a une très forte corrélation, sans doute avec des systèmes de causalité bidirectionnels. Il y a des modèles où on voit bien le modèle addictologique, hein, où c'est la prise de produits qui va pouvoir faciliter l'émergence d'un trouble mental. À l'inverse, le modèle de l'automédication qui était très très dominant quand je travaillais ici, qui est toujours présent, mais où on pense finalement que c'est le trouble mental avec l'anxiété, la tension intérieure qui va amener certaines personnes à user et abuser de substances à des fins d'apaisement. Et puis en fait, il y a une autre dimension, c'est celle dont je vais essayer de vous parler tout à l'heure, qui peut rendre compte aussi de cette corrélation, c'est qu'en amont, il y a des facteurs de causalité communs, l'adversité sociale, les ruptures, la violence familiale, les abandons, les traumas complexes, etc. Ce qui fait qu'en matière de repérage, je pense que ce qui est important, c'est non seulement, moi je travaille dans un XAPA à Bordeaux, alors je suis psychiatre, c'est plus facile peut-être de repérer les troubles mentaux, d'autant plus que j'interviens en deuxième ligne, c'est-à-dire quand on m'oriente des personnes, c'est qu'ils ont déjà été repérés comme ayant une comorbidité, mais néanmoins ce qu'il va falloir faire aussi, c'est repérer encore en amont l'existence ou pas, notamment de traumas complexes, de troubles de la personnalité, parce que ce sont finalement parmi les pathologies psychiatriques les plus fréquemment représentées. Et finalement, on se rend compte aussi que compte tenu de l'intrication avec les problématiques sociales, de désinsertion, de désadaptation, c'est vraiment un domaine où l'enjeu d'une prise en charge globale, à la fois médicale, mais aussi psychologique, mais aussi sociale, est absolument décisive. Donc je passe rapidement sur le guide qui a été évoqué tout à l'heure. Vous voyez, c'est le même modèle que le bleu là, que vous avez. C'est le guide, alors celui-ci, Addiction et troubles psychiatriques, on est très content avec Georges, bien qu'on n'ait pas de droit d'auteur. C'est le plus téléchargé historiquement à la Fédération Addiction. C'est celui qui est également le plus commandé. Donc vous allez sur le site fédérationaddiction.fr, je pense, et vous pouvez le télécharger directement. Sinon, vous pouvez même commander la version imprimée. Alors le dessin à gauche, c'était un usager d'un Carud, enfin une femme, usagère de drogue et d'un Carud à Bordeaux qui nous avait fait cette illustration. En voilà ce que je renvoie, c'est un vieil article maintenant de l'American Journal, mais où en l'occurrence on essaye d'avoir cette vision un petit peu intégrative, où on se rend compte qu'il y a des facteurs de désadaptation en amont, souvent en petite enfance, des facteurs de vulnérabilité
qui sont des facteurs de vulnérabilité aussi bien pour développer éventuellement un trouble mental que pour développer des pratiques addictives. Et on voit que les pratiques addictives qui, dans un premier temps, peuvent avoir un effet de tentative d'autorégulation, vont souvent, dans un deuxième temps, avoir un effet d'aggravation, d'entretien et de chronicisation, finalement, des deux troubles. Alors, une des questions qui se pose et que vous vous posez tous, ça, c'est des schémas de l'école bordelaise de neurobiologie de Michel Lemoyle, c'est pourquoi certaines personnes sont manifestement plus vulnérables que d'autres par rapport au risque de basculer vers une problématique addictive. Eh bien, on a des éléments de réponse. Ça, c'est la célèbre courbe de survie du trouble addictif à un certain nombre de substances. Il y a la cocaïne, il y a le tabac, il y a l'alcool. Au fil du temps, vous voyez les décennies qui découlent vers la droite, là, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et vous voyez que l'évolution naturelle d'une addiction, en fait, c'est la rémission, contrairement à ce qu'on dit. Pour ceux qui survivent, c'est la rémission, dans des délais plus ou moins longs, souvent relativement longs. Mais on se rend compte que certains vont entrer en rémission assez vite et d'autres vont entrer en rémission au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, au bout de 20 ans. C'est souvent ce qu'on voit en service spécialisé, c'est-à-dire les pathologies finalement les plus lourdes. Alors on se demande évidemment qu'est-ce qui distingue finalement les personnes qui vont entrer en rémission relativement vite et celles qui n'entrent pas en rémission vite. Eh bien là aussi, les données des grosses enquêtes de comorbidité telles que la NESARC aux États-Unis montrent que les facteurs prédictifs majeurs, c'est les vulnérabilités pendant l'enfance, les familles un peu explosées, c'est la maltraitance, c'est l'abandon, c'est l'incurie, c'est toutes ces vulnérabilités-là. Et en termes psychiatriques, ce qui va être le plus représenté, je suis passé assez vite, c'est les troubles de la personnalité. Les troubles de la personnalité avec irritabilité, instabilité émotionnelle, anxiété de séparation, etc. Donc des traits de personnalité qui sont également des traits de vulnérabilité pour avoir d'autres pathologies mentales, des troubles de l'humeur, des troubles dépressifs, des troubles anxieux, etc. etc. Mais donc, en arrière-plan, vous voyez où je veux en venir, c'est que derrière tout ça, il peut y avoir également une autre question à prendre en compte, c'est celle du trauma. Alors, je laisse mes diapos aux organisateurs, donc vous pourrez les télécharger aussi si ça vous intéresse. Voilà. Alors, j'en viens au trauma et pathologie duelle, selon nous et selon moi, mais on en a parlé, c'est une question centrale au travers des traumas complexes, du lien avec les troubles de la personnalité, l'anxiété de séparation, etc. Alors, commençons par l'anxiété de séparation avec un Bordelais, en fait c'est un Américain, mais bon, il travaillait à Bordeaux, Joël Swensen, qui a fait une superbe publication il y a quelques années dans Addiction, où il montrait que finalement, l'un des facteurs prédictifs absolument majeurs de l'initiation de l'usage de drogue et de la transition de l'usage vers la dépendance, vers l'addiction, c'était l'anxiété de séparation. Et de manière absolument massive, puisque des modélisations indiquent que le traitement du trouble anxiété de séparation permettrait de prévenir environ un tiers des initiations, donc c'est une intervention de prévention tout à fait majeure, mais aussi de prévenir près de 70% des transitions vers les addictions. Donc on voit le côté majeur. Un autre lien, c'est un article historique, mais très important, puisque ça remonte au début des années 90. À l'époque, on s'intéressait surtout au trauma aigu, notamment au contexte guerrier. Je faisais ça aussi à Desgenettes, alors pas avec les mêmes techniques. On avait encore des anciens, guerre d'Algérie, enfin bon. Et donc la psychiatrie militaire a commencé à identifier que dans certains cas, des traumas répétés, qui n'étaient pas nécessairement d'intensité absolument majeure, pouvaient déclencher des états de stress post-traumatique absolument massifs. Et cette donnée-là de psychiatrie militaire, excusez-moi, c'est le télescopage avec le voisinage là, qui me perturbe, a été ensuite investie par le champ du trauma par rapport au micro-traumatisme répété pendant l'enfance, avec des parents maltraitants, des parents abuseurs, des parents absents, des difficultés relationnelles, des stigmatisations dans une classe, etc., etc. Et donc a développé toute une conceptualisation autour des traumas complexes qui sont ceux que l'on trouve en lien avec notamment les problématiques addictives. Alors là-dessus, on s'est rendu compte également avec des données tout à fait convaincantes là, que je vous mentionne, c'est que le stress en tant que tel est un facteur majeur de risque, de déclencheur, c'est un déclencheur vraiment de craving, et tout particulièrement chez les femmes, où on se rend compte que chez les hommes, globalement, ce sont plutôt les situations de consommation, la vue d'un produit, la vue d'un quartier, un contexte qui va déclencher le craving, alors que chez les femmes, ça va être des violences verbales, des humiliations, etc. C'est quelque chose qui est parfaitement identifié. Et on en vient du coup à une question qui était posée par les intervenants ce matin. Dans quel sens faut-il traiter quand on trouve à la fois des personnes qui présentent un stress post-traumatique et une addiction ? Les protocoles de soins, classiquement, étaient que les gens qui s'occupaient du stress post-traumatique ne commençaient à le traiter qu'à partir du moment où la personne était sevrée.
Or, la personne prenait des produits pour ne pas souffrir de son stress post-traumatique. Donc, si on lui disait d'arrêter avant d'être soigné, évidemment, ça ne marchait pas. Ce qui fait que Denise Yen, la psychiatre qui a publié cet article, a eu l'idée de renverser le protocole et de traiter inconditionnellement le stress post-traumatique avec des approches TCC, bon, et de voir ensuite, finalement, ce qui se passait côté addiction. Et on s'est rendu compte qu'en suivant cet ordre-là, finalement, les personnes, et ça confortait un peu le modèle d'automédication, voyant leur niveau de stress diminuer, avaient moins besoin, finalement, de s'anesthésier avec des produits de défense. Et finalement, on voyait les niveaux de consommation qui avaient tendance à diminuer. Or, nous avons répliqué cette étude à Bordeaux, chez des jeunes femmes de la rue qui usaient et abusaient de cannabis, de cocaïne et de choses diverses, en utilisant à la fois des techniques EMDR et des techniques de thérapie des schémas. Or, on sait que femmes de la rue, toutes ont été abusées, violentées, etc. Toutes, là, c'est 100%. Donc, par rapport à ces personnes-là, avec une approche qui est relativement simple, qui est facile à expliquer, qui mobilise relativement peu de temps, etc., on se rend compte qu'évidemment, dans un premier temps, on a une diminution des niveaux de stress post-traumatique, ça, c'est attendu. Et de manière différée, on a une diminution des index de consommation et de craving à l'alcool, au cannabis, et même de la sévérité de l'addiction avec l'ASI. Et alors, j'ai été très content, parce que à la fin de l'année dernière, dans le PTSD Quarterly, qui est le bulletin de l'administration des vétérans, ça nous ramène à l'armée, là, vraiment, mais bon, c'est assez logique, vu le sujet. Il y avait une revue, toujours de Nodizienne, etc., sur les techniques de prise en charge de stress post-traumatique et addiction, et en jaune, celle qui est citée comme seule étude sur EMDR et tout ça, c'est la nôtre, c'est celle de Bordeaux, donc je suis très content, et c'est le moment de publicité. Alors, il y a un overlap des symptômes, tout à l'heure, c'était dit, c'est-à-dire, ça s'intègre, tout ça. Il y a des pathologies où les symptômes vont se croiser, se renforcer. Mais en plus, quand on parle de stress post-traumatique et de la souffrance liée au sevrage, on se rend compte que les symptômes, l'hypervigilance, le stress, les troubles du sommeil, etc., c'est les mêmes. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a un autre article qui est apparu il y a 15 jours à peu près sur stress post-traumatique et troubles de l'usage d'opiacés, qui dit exactement la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un chevauchement complet au niveau des symptômes. Et si vous lisez un peu en détail ce que disent les auteurs, tout ceci doit nous inviter à avoir une approche intégrée, parce que finalement, ce dont on se rend compte, c'est que les supports neurobiologiques de ces deux troubles sont les mêmes. Ça passe exactement par les mêmes circuits. Et donc, ça réagit un peu au même type de médicaments. Eux, ils ont essayé, par exemple, la buprénorphine pour traiter le stress post-traumatique. Et inversement, on sait qu'on peut utiliser des inhibiteurs adrénergiques pour traiter les deux types de troubles. Donc, en gros, on voit qu'il y a vraiment une logique à avoir une approche duelle dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que nous avons fait un autre projet, donc le projet Psychotrauma Addicto à la Fédération Addiction, en lien avec le CN2R, donc le Centre National de Résilience. Donc, qui regroupe les comités régionaux de psychotrauma dans les services de psychiatrie. Et grâce à un financement du fonds addiction également, nous avons pu lancer ce projet, alors qui est en cours, auquel contribue beaucoup Georges, puisque c'est l'université de Clermont-Ferrand qui en fera l'évaluation. Et nous copilotons, la vieille équipe s'est reconstituée, pour avoir une thématique, disons, qui pouvait être intéressante à la fois pour le secteur santé mentale et le secteur addicto, et qui, à notre avis, est vraiment une clé. Alors, la sélection a eu lieu. Il y a trois régions qui ont été retenues. Alors, pas la vôtre, désolé. Mais en l'occurrence, c'est plutôt l'Ouest qui a été retenu. Donc, Centre-Val de Loire, les Pays de Loire et Nouvelle-Aquitaine Sud. Donc, le projet est en cours. Il avance. Alors, en conclusion, j'en viens au repérage. Le repérage, vu du point de vue des addictions, des XAPA, est évidemment tout à fait essentiel, mais il s'agit de repérer également les vulnérabilités en amont, c'est-à-dire quelles peuvent être les vulnérabilités psychologiques ou psychiatriques qui ont pu faire le lit, finalement, d'une évolution vers l'addiction. Il faut aussi repérer les complications psychiatriques liées à l'addiction elle-même et aux prises de produits. Donc, il y a une nécessité, alors absolument urgente et majeure, de formation, repérage à l'accompagnement, et donc de décloisonnement.
puisque l'un des risques de l'addictologie, c'était que ça cloisonne par rapport à la psychiatrie. En termes de, c'est-à-dire le risque, c'était que ça évolue vers une forme de surspécialité hyper cloisonnée, alors que ça doit évidemment être une formation transversale, ce qui est la logique actuelle, mais logique qui nécessite d'être régulièrement rappelée. Donc décloisonnons, l'éco-formation c'est très bien, le bridging cher à Prepsy c'est magnifique. Il faut pouvoir faire aussi des échanges. Il y a certaines régions où les internes de psychiatrie, de médecine générale peuvent faire des stages aussi en Xapa, en Carud, etc. D'autres régions où c'est moins fréquent. Et on se rend compte que ne serait-ce qu'un stage de quelques jours suffit pour que les gens connaissent ces unités, arrivent à travailler entre elles. Les équipes mixtes, ça a été évoqué. Il y a des équipes mixtes également en pédopsie, dans le sud du département de la Gironde, là chez nous. On a une équipe mixte entre l'hôpital psychiatrique, service de pédopsie, et une équipe de CJC, de consultation jeune consommateur, autour justement de ces problématiques écran, cannabis, troubles mentaux, etc. Il y a l'exemple évidemment de Prepsy, notamment sur les liens avec les troubles psychotiques. Et puis le coportage de ce projet est un bel exemple. Donc apologie de l'approche intégrée. Vous voyez ce chirurgien qui reçoit une nouvelle fois aux urgences un chien qui est blessé. Et au lieu de se contenter de lui mettre des pansements sur ses plaies, il lui dit « tu veux connaître le vrai remède, arrête d'embêter les chats ». Et finalement, quand on a des affaires d'addiction, il faut penser derrière trouble psy. Quand on a trouble psy, il faut penser derrière addiction. Et quand on a les deux, il faut penser derrière éventuellement trauma, parce que ça se traite aussi et ça va apaiser les deux niveaux. Et je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup d'avoir mis en exergue ce lien avec le psychotrauma. Alors, on a pris quelques minutes de retard. On va enchaîner sur la dernière présentation. Alors, je ne sais pas si le dernier intervenant de la session, Nicolas Bonnet, est dans la salle. Oui, il est là. Donc, Nicolas Bonnet, qui est pharmacien de santé publique et directeur du réseau de prévention des addictions. Merci à vous. Merci beaucoup, bonjour à tous, merci pour votre invitation, merci également à Benjamin Roland pour cette mise en relation, et puis un remerciement également appuyé à ma collègue, ancienne collègue plutôt, et amie Anne-Cécile Cornibert qui a été en visio tout à l'heure. Donc, je m'appelle Nicolas Bonnet, je suis pharmacien de santé publique, je travaille dans le domaine des addictions et de la toxicomanie depuis quelques années, 1999 à Médecins du Monde, donc ça fait également quelques temps, auparavant surtout dans le domaine de la toxicomanie comme on appelait à l'époque. J'ai rajouté que j'étais également formateur en entretien motivationnel auprès de l'AFDEM, parce que je pense que c'est un lien assez fort avec la présentation que je vais vous faire. Et dans mes fonctions professionnelles, donc je suis donc directeur du réseau RESPAD. Je suis également responsable de la consultation addicto-adolescents et jeunes adultes dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et par ailleurs, je suis président d'un CARUD qui s'appelle PROSE en Seine-Saint-Denis. J'en parle aussi parce que tout à l'heure, on parlait notamment de... Un chez soi d'abord, et c'est un CARUD qui fait partie du GCSMS Un chez soi d'abord en Seine-Saint-Denis, qui vise donc du coup à monter ce dispositif en lien avec l'hôpital Ville-Évrard. Comment structurer le repérage ? C'était en tout cas le titre de cette table ronde. C'est le titre du coup que j'ai traité sur un temps assez court, et je vais vraiment essayer de tenir un maximum le timing. Je me suis permis, si vous voulez bien, de reformuler un petit peu cette question-là. Moi, je me suis permis d'abord de me réinterroger ou de réinterroger la place de la personne finalement accompagnée en addictologie avec une approche universelle et une approche communautaire. Tout ça dans le soin des addictions de façon un peu plus large. Alors, vous allez me dire, avec ces reformulations, on n'est pas forcément plus avancé. Donc du coup, je suis reparti sur trois autres questions. C'était plutôt de se dire, enfin, ou en tout cas s'interroger sur quelle est la place spécifique finalement on peut proposer à une personne qui est prise en charge en addictologie. Comment amener cette personne-là aussi à s'engager, à avoir une prise de conscience, une adhésion pour ses soins, pour un dispositif de prévention? Et puis, comment faire émerger chez cette personne, du coup, alors ce qu'on appelle en entretien motivationnel, ce désir, capacité, raison, besoin, DCRB. Donc, comment faire en sorte que cette personne-là, du coup, s'intègre, s'engage réellement dans une démarche de changement?
Je ne sais pas si on est encore beaucoup plus avancé. Donc du coup, comme dit Georges Clonet, mais encore, quoi d'autre ? Et quoi d'autre pour moi ? C'est avant tout s'interroger sur l'esprit de l'entretien motivationnel, qui doit être avant tout l'esprit de la rencontre, l'esprit qu'on doit dégager dans un entretien, dans une rencontre avec une personne. Dans cet esprit, il y a quatre dimensions qui sont centrales. Il y a le partenariat, ce qu'on va faire, on le fait pour la personne, on le fait avec elle, dans un rapport d'égal à égal. Et c'est absolument nécessaire et central dans l'échange qu'on va pouvoir avoir. Il y a le non-jugement, évidemment. Le non-jugement, ça se concrétise par une attitude bienveillante, altruiste, avec de l'empathie. Il y a également, évidemment, donc de l'altruisme de façon très forte, puisqu'on va faire en sorte, en tout cas, de considérer que notre action va agir de façon bienveillante en ayant à cœur l'intérêt de l'autre. Et puis, il y a quelque chose de spécifique à l'entretien motivationnel, donc quelque chose de spécifique également au repérage précoce, intervention brève motivationnelle, c'est l'évocation. Et l'évocation, c'est faire verbaliser par l'autre, du coup, positivement sur le changement. Donc, existe du coup, tout aussi toutes ces balances décisionnelles avec le pour, le contre. Non, on va juste s'interroger et faire verbaliser positivement le changement. Comment ? Ben avec des compétences qui sont les compétences relationnelles de l'entretien motivationnel, qui sont résumées par cet acronyme OUVERT, les questions ouvertes, de la valorisation, de l'écoute réflexive, des résumés. Tout ça avec également une façon de délivrer de l'information. Anne-Cécile tout à l'heure nous rappelait qu'il fallait demander à la personne avant de pouvoir lui donner des conseils. Évidemment, il y a ce qu'on appelle le DPD, demander, partager, demander. On demande toujours à la personne l'accord, son accord pour lui fournir de l'information. On partage ensuite avec elle de l'information. Et puis après, on lui demande ce qu'elle en pense de ce qu'on vient de lui fournir. Avec ces outils et ces compétences, on peut développer du coup une approche universelle qui est donc ce repérage précoce, intervention brève, motivationnelle. Et ce RPIB, il est efficace et il est opérable auprès de tous les professionnels de la relation d'aide. Donc là, du coup, moi, je vais me décentrer un petit peu des présentations précédentes, en tout cas du champ psychiatrie. Et en tout cas, je vais me recentrer sur l'ensemble des professionnels de la relation d'aide, en psychiatrie ou pas d'ailleurs, et qui peuvent du coup être vraiment totalement efficaces avec cette approche du RPIB. Pourquoi on a développé une approche du RPIB ? Parce qu'il y a un repérage qui peut être fait des différentes pratiques de consommation. Alors je reprends un vieux schéma de la SFA, ANAES, la conférence de consensus sur les conduites d'alcoolisation. C'est relativement ancien, mais c'est extrêmement intéressant parce que ça nous rappelle qu'il y a des mouvements naturels entre les différents modes de consommation. Et qu'en fait, ces mouvements naturels, à un moment donné, pour nous, en tant que soignants, en tant que professionnels de la relation d'aide, on a besoin de les accélérer, on a besoin de pouvoir faire en sorte qu'ils aillent dans un sens, dans un autre, pour éviter la morbi-mortalité trop importante attribuée à ces modes de consommation, notamment les usages nocifs ou les usages à risque ou la dépendance, évidemment, pour le tabac. Ce schéma, on peut le représenter également sous la forme de la pyramide de Skinner, que vous connaissez tous, avec les différents usages, etc. Et donc, notre intervention brève, elle va vraiment être une action de prévention secondaire et on va s'intéresser préférentiellement aux usages nocifs et aux usages à risque. On va donc chercher à repérer les personnes qui ont ces usages-là avec différents objectifs. D'abord, repérer, ça va être chercher à influencer le parcours de ces personnes-là. On va essayer de le faire sur la base d'une perception d'un risque ou d'un mésusage, d'un niveau d'usage. Cette perception, on va le voir dans un instant, on va l'objectiver grâce à un questionnaire et encore mieux grâce à un auto-questionnaire qu'on aura fourni du coup aux personnes qu'on rencontre. On va du coup repérer également en cherchant à aider la personne à se soustraire de ce risque, ou en tout cas en diminuer les conséquences, diminuer les effets, en passant d'un usage nocif à un usage simple, par exemple. C'est une vraie démarche de réduction des risques et ça permet du coup d'avoir une action efficace en termes de repérage. Et puis on va repérer aussi avec une action qu'on pense efficace, ou mieux, qu'on sait efficace. Et là, ça renvoie à tout ce qui fait part de l'évaluation, de la littérature scientifique, de toute cette littérature très abondante qui vient justifier l'importance de relayer, de diffuser les pratiques de repérage précoce, intervention brève, auprès du plus grand nombre. Pour ce qui est de la population, du public en santé mentale ou du grand public de façon générale, peu importe, j'ai envie de dire, ce qui est certain, c'est qu'on a des millions de consommateurs. On a des millions de consommateurs qui viennent, qui ont des centaines de milliers de situations à risque et puis qui vont rencontrer également un grand nombre de personnes, de professionnels. Ils vont rencontrer des personnes, des parents, des pères, des éducateurs, des enseignants, des personnels de la justice, de la police, des soignants, etc. etc. Et vraiment, dans ce RPIB, on plaide une nouvelle fois pour quelque chose qui a déjà été dit plusieurs fois, c'est cette intégration transversale des pratiques, bien plus largement qu'entre les soignants, mais vraiment avec l'ensemble des personnes, encore une fois, qui sont en contact avec le même public à un même moment.
À l'échelle d'une population, du coup, ce programme il peut être efficace aussi que s'il permet d'avoir des modes d'intervention qui sont éprouvés, on l'a dit, mais surtout aussi qui sont réalisés par des intervenants qui sont suffisamment nombreux, qui sont suffisamment formés, qui sont mobilisés, qui sont également légitimés, qui sont capables, qui sont soutenus dans leur action. Il faut vraiment que l'institution, du coup, soutienne les personnes. Il faut que les pouvoirs publics puissent financer de façon pérenne l'ensemble de ces dispositifs-là. Et puis des personnes pour qui également, qui auront besoin d'avoir les résultats de leur intervention à travers de la recherche, donc à travers un processus d'évaluation continue. Encore une fois, tout ça, ça s'inscrit dans l'intégration transversale des pratiques. Précisément, l'intervention brève, le repérage précoce, intervention brève motivationnelle, c'est une intervention qui peut être soit opportuniste, soit systématique. Opportuniste, on va d'abord repérer des facteurs ou des choses qu'on considère être en lien directement avec la prise de produit ou avec un usage nocif ou une prise de risque. Et systématique, on va le faire auprès de tous, tout le temps. L'avantage de le faire de façon systématique, c'est qu'on se laisse la possibilité d'être surpris, c'est qu'on se laisse la possibilité de ne pas stigmatiser les personnes et puis évidemment d'être beaucoup plus efficace. Il y a de temps en temps, néanmoins, on peut le faire de façon beaucoup plus opportuniste. Ça dépend un peu des contextes dans lesquels on évolue. Ce qui est certain, c'est que l'intervention brève, ça renvoie à de l'évocation, ça renvoie à du partenariat, ça renvoie à du non-jugement et de l'altruisme. Donc c'est exactement comme de l'entretien motivationnel et ça rejoint du coup l'esprit de l'entretien motivationnel. Il y a un point qui me paraît important, c'est ce partenariat. Est-ce que dans le partenariat, il y a deux personnes? Dans le partenariat, il y a la personne qu'on reçoit, le bénéficiaire de soins, qui, elle, va être du coup experte en elle-même, experte de la maîtrise de sa vie. Et donc là, on renvoie vraiment aussi autour de cette science qu'elle va nous apporter, de ces connaissances qu'elle va nous apporter, ce savoir expérientiel qui est vraiment central dans l'action. Elle est responsable de son processus de changement. Si elle ne veut pas s'engager dans le changement, si elle freine absolument pour y aller, c'est sûr que ça va être beaucoup plus compliqué. Par contre, elle est partenaire tout comme l'intervenant dans la prise de décision conjointe. Et c'est là où on se rejoint, et c'est là vraiment où il y a une action commune qui se réalise, parce que l'intervenant, lui, il est expert dans le processus de changement, c'est notre fonction, c'est notre capacité, c'est ce qu'on a appris. Il est responsable d'établir une relation de confiance avec la personne qui favorise le changement, et il est partenaire, bien évidemment, dans cette relation conjointe. Le RPIB, on peut aussi le décliner en 5A. Vous savez, c'est ces 5A qui sont alors maintenant extrêmement connus et diffusés. En tout cas, j'espère que vous les connaissez. Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange, qui sont ces 5 temps qu'on peut avoir dans une intervention courte qui permettent d'être efficace et qui permettent réellement de pouvoir modifier les modes de consommation d'une personne. Ça, c'est appliqué au tabac, ça peut être appliqué à l'alcool, ça peut être appliqué à différents types de pratiques. En tout cas, à chaque fois, en le faisant de façon systématique, c'est extrêmement efficace. L'intervention brève, elle est donc efficace, elle est orientée vers le changement, elle est basée sur la science, elle est structurée, elle est quelque chose qui est vraiment centré sur la personne. On va vraiment partir de ses préoccupations, on va partir de ses volontés de changement, de ses envies, de ses désirs, de ses besoins, de ses capacités. Tout à l'heure, je l'ai rappelé, elle est rapide, elle est efficace et elle est simple. Elle est efficace, je vous ai remis sur ce tout petit tableau son efficacité, vous voyez, donc information seule. Taux d'abstinence après un an pour le tabac, c'est 10%. Avec une intervention de moins de 3 minutes, c'est 13%. De 3 à 10 minutes, c'est 16%. Et puis, plus de 10 minutes, c'est 21%. Et vous voyez donc à quel point, évidemment, une intervention qui est très courte va considérablement augmenter le taux de personnes qui sont encore abstinentes à un an. Et ça, il y a pas beaucoup, même chose, il y a très, très peu d'interventions qui sont aussi efficaces, du coup, notamment en tabacologie. Il y a deux questions qui sont centrales dans l'intervention brève. Vous pouvez également, le reste est un peu trop compliqué, si vous voulez vraiment quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus succinct, c'est ces deux questions qui sont en gras. C'est selon vous, quels seraient les principaux avantages à modifier votre consommation? Et puis derrière, quoi d'autre? On la double cette question. Et puis selon vous, qu'est-ce que vous pourriez faire pour y réussir? Ces deux questions-là, c'est deux questions qui sont hyper motivationnelles parce qu'elles sont centrées sur la personne. Vous voyez, elle part de ses préoccupations, elle part de son engagement, elle part de ses désirs, elle part de ses ressources aussi. Et on va s'interroger, s'interroger avec elle du coup sur les moyens qu'elle pourrait mettre pour pouvoir accéder du coup à cet objectif-là. Donc c'est vraiment deux questions qui sont très très centrales que vous pouvez écrire en gros sur votre ordinateur ou votre bloc-notes et les répéter à longueur de journée auprès des personnes que vous rencontrez. Mais encore, pour aller un petit peu plus loin, il y a évidemment pas mal d'outils qui sont également disponibles. Alors on a tous un peu nos outils, mais c'est vrai qu'au RESPAD, on est assez spécialisé dans ces outils assez pratiques pour les professionnels. Mode un petit peu motivationnel.
Et donc on a du coup, on a une fiche sur l'intervention brève en recto verso en format A5 avec l'ensemble de ces éléments que je viens de vous dire de façon très rapide, mais qui sont tous repris du coup sur cette fiche-là. Il y a un petit guide spécifique qui s'appelle « Repérer la consommation de tabac et adapter son intervention », qui est de la méthodologie d'intervention, pareil, à destination des professionnels plus ciblés tabac. Deux affiches un peu algorithmiques avec du coup les quatre processus, les quatre phases en tout cas, que ce soit sur le tabac ou sur l'alcool. Donc deux affiches qui vous permettent d'encadrer également et d'accompagner votre démarche quand vous l'exercez. On a développé et édité pas mal de questionnaires, enfin développé, on a surtout repris des questionnaires et on les diffuse. On diffuse des questionnaires, donc des auto-questionnaires qui sont extrêmement efficaces dans ces démarches de repérage précoce, intervention brève motivationnelle. 5 pour nous qui sont vraiment centraux, le CDS, cigarette dépendance scale sur le tabac, la DEPADO, la grille de dépistage de consommation des problématiques d'alcool et de prise de risque à l'adolescence. Le Cannabis Use Disorder Identification Test que Benjamin nous a permis de pouvoir diffuser et reproduire, du coup, voilà, qui est la version pour le cannabis de l'audit alcool. Et donc l'audit alcool dont je viens de parler un instant. Et puis le dernier, c'est l'Internet Addiction Test, IAT, qui est également aussi ce test, cet auto-questionnaire qui permet de repérer rapidement aussi des pratiques à risque liées aux écrans. Donc 5 questionnaires qui sont tous hyper accessibles, qui sont libres de droit et que vous pouvez vraiment réutiliser autant de fois que vous le souhaitez. On a également des guides, voilà, Anne-Cécile en a parlé ce matin, premier geste en tabacologie, prévention du tabagisme et accompagnement chez la femme, tabagisme et santé mentale, et santé orale également qu'on vient de sortir. S'il y avait un élément à mettre en avant aussi, spécifiquement pour peut-être vous aujourd'hui, davantage en tout cas dans un public en psychiatrie, pour moi pharmacien, c'est aussi en tout cas dans la situation de la consommation de tabac, c'est l'interaction avec les médicaments psychotropes. Donc dans le guide tabagisme et santé mentale, il y a ce tableau que vous pouvez retrouver avec dedans pas mal d'infos qui vous permettent également de voir à quel point la consommation de tabac a un impact majeur sur les médicaments psychotropes qui sont pris par les personnes que vous suivez. Le RPIB, on le décline également en santé sexuelle, en contexte addictologique, avec un autre guide et un autre modèle d'intervention. Ce n'était pas le propos aujourd'hui, je n'ai pas parlé, mais je vous montre juste l'image. Et pour aller un tout petit peu plus loin, et je m'arrêterai là au bout dans deux diapos, il y en a une, il y a, pour aller plus loin, je pense, la réponse, une des réponses à tout ça, c'est la promotion de la santé. Je vous ai remis un picto, la déclaration de la conférence d'Alma-Ata, qui était en 78, il y a quelques années déjà, mais qui pour autant est extrêmement d'actualité avec cette nécessité de répondre aux besoins de santé primaire, de redéfinir les missions, notamment les missions des structures, des professionnels, et de proposer des centres de santé communautaire. Alors, on peut changer les noms, on peut les appeler un petit peu différemment, mais en tout cas, ces objectifs qui avaient été décidés et déclarés à Alma-Ata il y a quelques années, ils sont, avec la crise sanitaire que nous vivons actuellement, d'une actualité, je trouve, sans précédent. Pour vous accompagner là-dessus, au RESPAD, on est là aussi. Nous sommes une petite équipe, mais on peut également, et on est présent à disposition des acteurs. On a deux stratégies qu'on mène de front et qui fonctionnent bien. La première, c'est le lieu de santé sans tabac, qui est une stratégie qui vise à sortir le tabagisme des établissements de santé. Et ça fonctionne bien. Il y a plus de 500 établissements en France qui sont maintenant engagés dans la stratégie et financés grâce au fonds addiction. Il y a un autre réseau qu'on a créé, c'est le réseau lieu de santé promoteur de santé. On est du coup en lien en cela avec le réseau international des hôpitaux promoteurs de santé. Et on essaie de faire en sorte qu'il y ait une démarche aussi qui s'intègre maintenant dans les structures de soins globales en promotion de la santé. Enfin, je vous informe, et puis je fais un petit coup de publicité également, du colloque lieu de santé régional qui aura lieu du coup le 14 avril prochain à Lyon. Avec pas mal d'intervenants de votre région, avec du coup un grand partage d'expériences qui sera réalisé. Je vous invite à vous inscrire directement sur le site du RESPAD. On fera une formation de formateurs relais également au repérage précoce intervention brève, donc pour vous donner la capacité ensuite d'être formateur et diffuser la formation autour de vous. Ça sera fin mars, ça sera aussi sur Lyon. Je vous invite à répondre aux appels à projets du Fonds Addiction Régional également pour toutes les structures, notamment lieux de santé sans tabac. Vous rappelez qu'il y a de plus en plus de structures en psychiatrie qui sont financées, financées du coup dans le cadre du fonds addiction. J'avais ce matin en échange à notre collègue Michael Biche à Nancy qui vient d'avoir son financement LSST au centre psychothérapeutique de Nancy, financement du fonds addiction. Donc ça marche très bien et il y a toutes les raisons d'écrire ces appels à projets. Pareil, dans les établissements sociaux, médico-sociaux, hors addicto, on travaille beaucoup avec le handicap, chez la Fédération Addiction aussi, et puis aussi avec les établissements d'hébergement et de précarité. Il y a beaucoup de structures où on peut intervenir. Et je suis allé très vite et je vous remercie. Voilà.
Merci beaucoup pour tous ces apports pratiques et qui nous montrent également que des interventions très ciblées sont parfois extrêmement bénéfiques. C'est très important. Alors malheureusement, nous avons un quart d'heure de retard, donc je pense que nous allons regrouper en fin de matinée toutes les questions du Zoom et puis les questions de la salle et enchaîner directement sur la session suivante, sur le repérage et l'orientation. Je crois que c'est Guy qui la modère, d'après ce qui est noté sur mon planning. Et puis c'est Vincent Berichel, le premier orateur. J'en profite pour le faire venir et je cède ma place. Par contre, comme c'est un PDF, je ne sais pas comment projeter. Mode diapo. Ça fait bien. Alors. Ma page. Ça fait. Ouais. Alors. Donc, merci aux organisateurs de nous laisser la parole pour présenter donc le. Le système de référence en addictologie sur le vinatier, donc ce dispositif mis en place par l'ELSA du vinatier et la direction, dont je suis très heureux de présenter avec notre directeur des soins du vinatier. Donc, on a un souci, ça ne marche pas. Il va falloir, si vous... D'accord. Parce que c'est un PDF, il faut que vous puissiez utiliser ça. De toute façon, on a un PowerPoint support qui est un peu long et on va, je D'accord. pense, être plus synthétique. Donc le dispositif mis en place au vinatier, donc on va essayer de vous expliquer pourquoi on a mis ça en place. Donc pour cela faire, ben, je vous propose de visiter un petit peu le vinatier. Donc l'hôpital en quelques chiffres. Donc le vinatier, c'est à peu près, il touche 15% du territoire du Rhône. Il représente à peu près 700 000 habitants, soit 46% du... soit 46% de la population rhodanienne. On peut aller vite. Donc, le vinatier, c'est à peu près 33 CMP sur le territoire et à peu près 638 lits. Il y a à peu près 700 équivalents temps plein pH et 2400 équivalents temps plein personnel non médical. Avec une file active assez importante, c'est-à-dire 3600 hospitalisations à temps complet et une prise en charge de 24 000 patients en ambulatoire. Pour un hôpital qui fait à peu près 73 hectares. Et donc, le SUAL, c'est juste à l'entrée du vinatier. Donc, il faut pouvoir, pour l'ELSA, aller dans tous ces bâtiments. Et donc, on est à peu près 3 équivalents temps plein. On a vu une population de patients qui sont avec un incident, une prévalence d'addiction assez importante. Donc l'objectif, c'était quoi? C'est essentiellement donc déjà répondre à la stratégie nationale de santé, c'est-à-dire déjà diagnostiquer, réduire, dénormaliser les consommations, améliorer les prises en charge et faciliter l'accès aux soins de ces personnes qui sont fragiles.
Nous devons aussi répondre à des indicateurs de qualité au niveau de l'hôpital et en même temps essayer, ça c'est des missions de l'ELSA, de développer une culture en addictologie. Donc comment on a fait ça? On a mis en place un système de référents en addictologie avec, donc, au sein du Vinatier, avec en support le SUAL. Donc ces référents étaient formés par le SUAL, l'ELSA du Vinatier, et ces référents étaient, ils avaient devaient informer leurs équipes pour pouvoir mieux repérer les patients et les aider. Donc on essayait de développer des compétences techniques et comportementales sur ces référents en addictologie. Donc du coup, on a 35 référents dans le Vinatier. L'idée aussi, c'est de sortir des murs du Vinatier et aller sur les CMP, c'est-à-dire qu'il faudra en rajouter 33 référents qui sont donc tous été formés, et on essaye de faire des rencontres régulière pour pouvoir continuer la formation de ces référents. Donc, pour pouvoir les aider à mieux intervenir comme on a prévu avec eux, on a mis en place différents systèmes, et notamment une lettre d'information qui est rédigée par eux-mêmes, des formations. Donc, je vous l'ai dit, à peu près tous les 3 mois, on fait une journée des référents en addicto. Et on met en place des événements sur le Vinatier. Donc, effectivement, les événements nationaux, comme le mois sans tabac ou le Dry January. Mais en même temps, on peut aussi imaginer des événements sur le mois sans cannabis ou autre. Et l'idée, et ça, c'est pas encore mis en place, c'est faire une sorte de comité de lutte contre les addictions et de prévention au sein du Vinatier pour essayer de mieux, homogénéiser les pratiques dans le Vinatier avec ces 33 unités fonctionnelles. Donc, comme je vous disais, donc, ils ont tous, les référents, une formation initiale qui est dispensée parce qu'il y a quand même pas mal de turnover. Donc, tous les 6 mois, une formation initiale, et en même temps, ces journées qui sont tous les 3 mois. En plus, c'est pas encore mis en place, mais ça va le faire, ce qu'on appelle Addict Heure, qui est une heure où infirmiers référents, mais aussi tout le monde qui voudrait venir, puisse avoir une information sur les addictions. Nous avons aussi un forum de discussion sur l'intranet du Vinatier, et en même temps une documentation commune qui est disponible sur l'intranet. Bonjour, Vincent Berichel, donc directeur des soins, et il est important que la direction travaille avec les médecins, les paramédicaux, de manière à ce que cette transversalité évidente qu'est l'addictologie puisse irriguer toutes les équipes. Et alors, on s'est un petit peu amusé avec le docteur Ricard, parce que on a parlé jusque-là de référents, et en fait, nous, on a décidé de ne plus les appeler référents. Alors, ce n'est pas juste un petit problème de sémantique de la vieille psychiatrie jadis, c'est que finalement, le référent, ça veut tout dire et rien dire, et on en a usé et abusé dans notre discipline. D'abord parce qu'on parlait aussi du référent du patient, qui en fait maintenant relève plutôt de mission de case management, mais on parlait aussi de référent de toutes sortes de choses, de référent douleur, de référent sport adapté, de référent nutrition.
et que tout cela a en germe quelque chose de terrible, c'est-à-dire que finalement, s'il y a un référent spécialiste dans une unité de soins, c'est que les autres n'ont pas besoin de s'en occuper. Et que finalement, si un patient avait un problème, et si on voit les problèmes en tuyau d'orgue et les problématiques symptomatologiques en tuyau d'orgue, bah finalement, c'est Dupont, l'infirmier spécialiste de la nutrition, ou c'est Dupont, l'infirmier spécialiste de la douleur, et les autres, ils s'occupent de la douleur. Je caricature un peu, mais malgré tout, dans la prise en charge un peu holistique, on arrive à ne pas l'avoir, cette prise en charge holistique, parce que chacun est le spécialiste de chacun et que finalement, moi, je ne m'occupe pas de ce patient et de son problème parce que finalement, c'est mon collègue qui est le référent. Donc, la référence, elle contient en germe des choses difficiles et des choses qui sont contre-productives. Et puis, en plus, on ne peut pas se le cacher dans nos hôpitaux. Un hôpital comme le Vinatier, c'est un millier d'infirmiers, il en manque une bonne centaine. Hein. C'est-à-dire qu'on a actuellement, et c'est inédit et c'est de plus en plus structurel, un gros problème d'effectifs. Et si vous commencez à dire, eh ben voilà, nous en addictologie, il faut que ça irrigue, mais alors dans chaque unité, je veux un référent et c'est lui qui fera ça et c'est lui qui sera chargé du repérage. Et puis comme il n'est pas là tout le temps, on va en mettre un deuxième puis un troisième. Et puis que vous avez un porteur de, je sais pas moi, de la thématique douleur qui fait la même chose, vous agitez comme un repoussoir auprès des managers, qu'ils soient paramédicaux ou médicaux, et ils vous disent, attends, polyvalence, j'ai pas beaucoup de monde, faut que tout le monde puisse s'occuper de tout. Donc nous, on a décidé d'appeler plutôt ça des ambassadeurs de la dictologie. L'idée, c'est pas du tout des gens qui font à la place d'eux, ce sont des gens qui irriguent, qui aident, qui ont un tropisme peut-être plus important que leurs confrères sur la thématique addictologique, qui ont la chance d'être plus formés, parce qu'évidemment on va leur apporter de la formation, qui, comme le disait le docteur Icard, vont être réunis, oh, pas de la réunionnite, des choses flash organisées, mais tous les trimestres vont avoir une journée, vont avoir l'addicteur par exemple, vont avoir un certain nombre de choses qui vont les réunir, qui vont faire qu'ils fassent groupe, mais leur but n'est pas de faire à la place d'eux. Leur but est de faire irriguer, puisque, on l'a vu, pathologie duelle, transversalité, on la retrouve partout, la problématique d'addictologie. Il faut donc qu'elle irrigue auprès de tous les soignants, d'ailleurs pas seulement les infirmiers, l'ensemble des équipes paramédicales et médicales. Et il faut qu'il y ait des ambassadeurs de cette thématique, des gens intéressés, des gens motivés. Alors oui, il en faut, parce qu'il va quand même falloir qu'ils aient un petit peu de temps en temps pour porter des événements, comme le disait le docteur Icard, des événements locaux, des événements nationaux. On parlait du Dry January, de la journée sans tabac et bien d'autres choses. Donc oui, il faut qu'ils aient un petit peu de tropisme supplémentaire, un petit peu de temps supplémentaire, mais il ne faut surtout pas qu'ils soient des référents. Et ça, on s'en est vraiment aperçu parce que moi, le directeur de soins, je me retrouve avec l'encadrement des cas de sup, mais aussi des médecins chefs de pôle qui me disaient « Oh, moi, il y a un tel docteur machin qui est venu me voir pour la douleur, il y a le docteur machin qui est venu me voir pour la dictologie, je fais comment, moi, pour la psychiatrie générale, les malades que j'accueille, un tel, il ne veut plus s'en occuper parce qu'il ne fait que de la dictologie maintenant. » Donc ça, ce n'est pas possible. Il faut fuir ça. Et sur le plan organisationnel, il faut véritablement, c'est pour ça que je disais, ce n'est pas que sémantique, la notion d'ambassadeur, elle est très riche parce qu'elle va permettre de faire parler d'eux, d'interroger et en même temps organiser des événements, mais aussi récupérer des datas pour améliorer les possibilités de recherche. En même temps, pouvoir porter au SUAL, à cette toute petite équipe de 3-4 TP, les problématiques les plus complexes, pouvoir aider à la traçabilité, garantir la traçabilité. Nous, on est dans le zéro papier, hein. on a un dossier Cortex qu'on utilise bien maintenant à l'hôpital au niveau paramédical et médical. Bon, voilà, mais quelquefois, on ne l'utilise pas spécifiquement bien dans le domaine, par exemple, de la dictologie. Donc ça va être le rôle de l'ambassadeur. Mais l'ambassadeur n'est pas un référent, et je ne vais pas m'étendre plus là-dessus, mais c'est très important parce que dans la structuration de l'organisation de nos hôpitaux, ça ne fonctionne plus après. Oui, je crois que je ne l'ai pas passé dans l'ordre là, mais c'est à peu près tout ce qui est là. Oui. Bon, je me suis passé des slides. Super. Peut-être que tu peux réinsister sur les qualités de ces ambassadeurs éventuels. D'accord. Donc, du coup, les ambassadeurs, du coup, on va reprendre un petit peu le fait que l'idée, c'est qu'ils infusent, qu'ils arrivent dans les équipes à véhiculer
le fait qu'on se puisse se poser la question au niveau de l'addiction et qui regarde aussi que les tout ce qui est tout ce qui est j'allais dire addiction soit posé et que soit tracé sur l'entretien d'accueil, l'entretien d'accueil, etc. Et donc du coup on a tous ces outils qui sont encore qui sont présents et donc du coup l'idée c'est de continuer dans cette démarche là et donc pour vous dans la conclusion l'idée c'est que la formation nous a permis de faire dans Cortex qui est donc je vous ai mis tout à côté un questionnaire qui permet dès qu'il rentre aux urgences ou dans des unités de soins de repérer tout de suite et on a maintenant une image en heure, au fur et à mesure de ce que prennent nos patients, avoir une photo quoi, de ce qui se passe au Vinatier. Pareil, la formation nous a permis de générer un dispositif sur la RDR, puisqu'on sait que les patients qui sortent, que ce soit de prison ou des hôpitaux, y a un risque d'overdose pour ceux qui sont... et donc, du coup, y a une traçabilité qui a été mise en place avec... Est-ce qu'on leur a parlé de ça déjà, et est-ce qu'ils connaissent un petit peu les signes d'overdose, et en même temps, est-ce qu'on leur a proposé l'analoxone, et ils savent ce que c'est. Donc c'est mis en place. Et donc, par exemple, sur les événements de Mois sans tabac, on a formé les infirmiers référents à utiliser... de tout ce qui est entretien motivationnel, etc. Et en même temps, qu'ils puissent avoir une notion et puissent proposer des patchs ou gommes. Merci à toutes. Merci beaucoup pour votre intervention. Je ne connaissais pas la taille en hectares de l'hôpital, mais je pense que c'est à la dimension du travail que vous mettez en place. Et vraiment bravo et merci d'avoir évoqué le mot de case management qui est cher à Prepsy. Je vais présenter en deux mots l'équipe de contact. Donc Anaïs Paré et Manon Scavenius vont vous présenter ce projet qui nous a rassemblés aujourd'hui. Bonjour, merci à vous tous. J'espère que vous m'entendez bien. Anaïs Paré, je travaille à Prepsy avec Salima Alegui. Et nous sommes en partenariat avec la Fédération Addiction et l'Université Larecquoi pour un projet qu'on mène à bien au quotidien qui s'appelle Prepsy Contact. Le projet il a commencé à émerger. Parce qu'on a observé qu'il y avait un manque d'interconnaissance entre des acteurs de la psychiatrie et de l'addictologie sur un même territoire. Aussi parce qu'il y avait dans certains territoires pas assez d'espace de coordination pour les professionnels de ces deux champs-là et qu'ils étaient en demande. De nombreuses observations ont émané aussi du guide de psychiatrie qui a été écrit avec la Fédération Addiction. Et on a aussi observé qu'il y avait... une faible double prise en charge des patients ayant des pathologies duelles. Le public cible du programme, ce sont les jeunes. Alors, je sais que certains ont parlé tout à l'heure comme quoi on était très axé sur les jeunes quand on parlait addiction et troubles psychiatriques. 16-25 ans qui sont dans des situations de pathologie duelle. Les professionnels, qu'ils soient en CMP, centre médico-psychologique ou en CPTS. Je ne sais pas si vous connaissez tous les CPTS, ce sont des communautés de professionnels territoriaux de santé qui regroupent des professionnels libéraux, pharmaciens, médecins, généralistes, kinés ou autres, pour qu'ils soient plus visibles et qu'ils puissent penser justement le parcours du patient dans la ville. Et les CJC. Qui sont des consultations jeunes consommateurs portées par Dexapa en addictologie.
L'objectif du programme, c'est sur un même territoire de proposer un bridging, une mise en relation entre ces différents professionnels pour qu'ils puissent ensemble penser l'accompagnement, la double prise en charge et réfléchir justement à des modèles un peu plus intégrés de prise en charge des patients. C'est aussi pouvoir les outiller pour qu'ils puissent continuer ce partenariat sans nous par la suite et renforcer aussi les connaissances qu'ils ont sur ces deux thématiques. Donc maintenant, on va vous présenter les outils qu'on a développés. Merci Anaïs. Alors du coup, l'idée de, juste en rappel pour ces outils-là, ils ont été co-construits depuis un an avec des duos CJC-CMP, avec lesquels on a fait des échanges pour bien adapter les outils qu'on propose. Ils sont proposés gratuitement en ligne sur le site de PrépsyContact, il suffit de s'inscrire. Et l'idée, c'était que chacun puisse se servir d'un outil ou d'un autre. L'un n'implique pas forcément l'utilisation de tous les outils dans leur ensemble. Donc, pour vous présenter d'abord la séance donc, de bridging dont on vous a déjà parlé, l'idée, comme l'a expliqué Anaïs, c'est bien de faire le pont entre une CJC et un CMP. Donc, une fois qu'on a fait cette prise de contact, nous, à l'équipe PrépsyContact, entre un CJC et une CJC et un CMP, on organise une séance d'échange de 2 heures maximum au sein d'un des locaux, où on rassemble donc, le CJC et la CMP, et tous les partenaires aussi souhaités qui veulent être inclus dans cette amélioration de la coordination entre les structures. L'idée, ça, on commence par un tour de table, présentation des missions de chacun, général avec tout le monde. Ensuite, on crée des binômes entre les deux structures pour que chacun échange et remplisse une fiche structure, donc qui est une fiche où on recense les informations de fonctionnement de chacune des structures. L'idée, c'est bien dans ces temps-là de redéfinir les rôles de chacun, qui fait quoi et aussi qui ne fait pas quoi, ce qui permet d'orienter, de mieux faire de la coordination entre les différentes structures. Une fois qu'on a fait ces petits temps séparés, on organise un temps de retour en commun où chaque binôme en fait, présente les informations qui ont été recueillies de l'autre structure. Et là, l'idée, c'est que ce temps de retour est complètement personnalisé aux enjeux qui sont ressortis par ces temps de binôme. Donc, il y a différentes questions qui ressortent de ces temps-là. Ensuite, ce temps d'échange donc, débouche sur une fiche structure qui est remplie, qui rassemble les informations des deux structures qui ont participé au bridging. Ça permet le partage de connaissances et donc on distribue aussi à cette séance-là différentes ressources disponibles pour gérer ces questions de double prise en charge. Pour à peu près, pour aller dans la continuité de cet échange, on propose aussi d'organiser les journées IO, donc qui sont les journées immersion et imprégnation, lors de laquelle chaque professionnel va se rendre dans l'autre structure. Parce que c'est quand même plus, tout de suite plus concret d'aller se rendre dans la structure avec laquelle on crée un partenariat pour mieux voir comment s'organise la prise en charge. Donc c'est toute une procédure qui est à préparer avant, pendant et après la visite, qui permet de faire du coup des retours d'expérience et une évaluation des besoins réciproques au sein des différentes structures. On a aussi donc, différents outils, donc, qui, comme je disais, qui sont disponibles en ligne, dont certains, donc des fiches interactions médicamenteuses qui ont été co-construites avec le réseau PIC, donc qui est un réseau de pharmaciens. Et ces fiches prennent 2 formats, donc les vignettes, là, comme on voit, qui sont des petites vidéos de 3 à 5 minutes destinées plutôt au public jeune, et des fiches plus détaillées en format Word qui, là, seront plus destinées aux professionnels pour présenter donc les interactions alcool psychotrope, cannabis psychotrope et tabac et psychotrope. On a aussi co-construit une cartographie nationale qui recense les CJC et les CMP disponibles en ligne pour que chacun, chaque structure puisse, de manière aussi autonome, repérer sur son territoire quels sont les acteurs les plus proches de leur structure avec lesquels ils pourraient créer donc ces enjeux de coordination. On a aussi développé des différents outils de réseaux sociaux. Alors, l'idée, on a parlé beaucoup du côté des professionnels. Mais PrépsyContact, son souhait, c'est aussi d'être du côté des usagers. Donc, il y a une ligne téléphonique qui a été ouverte et qui est en cours de déploiement en 2022 pour les professionnels qui accompagnent, mais aussi les jeunes directement, où on peut informer et orienter sur les services CMP et CJC avec des partenaires avec qui on a pu travailler. Et on essaye aussi de diffuser de l'information sur
les formations, sur des recherches qui sortent, parce que c'est un secteur quand même assez en mouvement, sur les réseaux sociaux, et aussi grâce à l'accompagnement de Patrick Stern, qui fera une présentation un peu plus tard de la journée. Juste faire ça. On a lancé l'an dernier des e-intervisions, qui sont des réunions en ligne d'une heure. Ce sont des réunions qui sont basées sur le programme ECHO, qui est un programme à Montréal, au CHUM de Montréal, et qui permet de regrouper tous les acteurs de notre réseau, parce que souvent, quand on fait des bridging, on va être sur deux équipes ou un peu plus à chaque fois, mais tous ces binômes ne se connaissent pas forcément. Donc c'est aussi l'idée de créer un petit peu une communauté d'acteurs, de professionnels, de se poser et de discuter d'un cas clinique qui est amené par le terrain et avec un expert extérieur, qu'il soit psychiatre ou travailleurs sociaux aussi. On demande un éclairage pour avoir une meilleure lecture de la double prise en charge et du double diagnostic. Donc voilà. Donc on a aussi développé des modules de e-learning, toujours disponibles en ligne gratuitement. Et l'idée, c'est qu'on peut suivre chacun de manière indépendante. Donc il y en a 4 qui ont été développés pour l'instant. Le prochain, il sort en février 2022 sur donc, apprenez à coordonner avec le case management. Et on retrouve aussi notamment un e-learning sur apprenez à utiliser les outils motivationnels, donc, qui ont été déjà évoqués plusieurs fois depuis ce matin. Donc celui d'avant, c'était l'addiction et les premiers épisodes psychotiques, les clés pour parler avec les jeunes, et le tout premier sur connaissez votre public avec l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Peut-être juste pour conclure sur les outils, ils ont été co-construits avec 5 binômes qui étaient pilotes, on va dire, sur 5 régions différentes de CMP-CJC. Et les modules de e-learning, on essaye toujours de les faire en partenariat. Donc il y en a un avec l'OFDT, il y en a un, c'était avec l'hôpital Marmottan, on a eu le CHU de Caen, Rouen, voilà, etc. Alors, peut-être on voulait juste faire une petite analyse du coup de nos missions, de notre activité. Ce qui peut être compliqué en fait dans ce management, c'est de proposer ce temps libre, de prendre le temps pour les équipes, sachant la saturation des dispositifs et des équipes à l'heure actuelle, alors que c'est quelque chose qui remonte dans leurs besoins à chaque fois, que ce soit sur des feuilles de route nationales, que ce soit sur des enquêtes qu'on peut réaliser en amont. Le temps de coordination d'un binôme qui peut être assez long, parce que c'est vrai qu'on peut se dire il y a un CMP là, une CJC là, mais en fait c'est aussi comment faire que la structure y voit un intérêt à long terme, parce que l'idée c'est pas juste de faire une rencontre, mais c'est vraiment d'amorcer un partenariat au long cours, et des logiques de temps qui sont pas les mêmes dans le secteur psychiatrie et addictologie. Enfin, on a aussi beaucoup de difficultés sur certains territoires avec tout simplement des compétences liées au matériel, parce que nous, on est basé à Paris, on peut se déplacer, mais on fait quand même beaucoup de choses à distance, et aux compétences numériques, parce que tous les professionnels ne sont pas forcément formés aux outils Zoom, etc., comme on peut les utiliser aujourd'hui. Dans les leviers, Prépsy Contact, je pense que ça peut être pertinent pour vos équipes, parce que ça permet aussi d'identifier et de valoriser les projets, vos structures diverses et variées. Et je pense qu'il y a aussi une grande opportunité, parce que ça permet aussi de coupler à la fois les expertises scientifiques qui ne cessent de se produire au point de vue national ou international, et que nous, on puisse aussi les véhiculer quand on fait nos séances avec Manon. Et aussi, on peut aussi faire remonter les besoins du terrain sur des instances un peu plus nationales. L'idée, c'est vraiment d'adapter, d'être le plus souple possible, adaptable possible dans ce qu'on peut proposer. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est à la croisée entre les usagers et les professionnels. Donc, il y a
il y a des problématiques qu'on peut faire véhiculer comme ça. Voilà. Je vous remercie, on vous remercie et bonne matinée. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, pour des raisons de gestion du temps, on va avancer encore. Et je vais appeler à la tribune Romain Sicot, s'il est là. S'il vous plaît, merci. Et donc, on va passer à la session concernant les parcours dans les pathologies duelles. Venez. Bonjour. Donc, posez vos affaires et puis vous allez. On peut, avec plaisir. Si vous voulez bien venir au pupitre. Delphine avait dû envoyer la slide. Les slides de ce matin. Alors ce matin, je viens tout juste le télécharger du coup. Alors attendez, parce que j'ai une vidéo enregistrée et un PPT de ce matin. Il y a celle de Sandra Pinel et celle de Daniel Ramos qui arrive en 3 et 4. J'ai rien mis sur le PC. Bon, je pense que c'est la présentation. Jamais la nouvelle version. Ici, là, il y avait Nathalie en général. Il y a deux personnes qui sont en distance. Enfin, c'est ça. Oui, ça c'est bon, je les ai. Et donc, parce que Romain a rajouté des diapos. Ce matin, vous m'avez envoyé. C'est ça. C'est celle-là. C'est du coup, ça c'est la dernière. Donc, j'enlève celle-là. Ok. Donc, celle-là. Bonjour, le temps qu'on s'organise. Excuse un peu. Donc, un grand merci de pouvoir, voilà, d'avoir invité aussi Elsa France, dont j'ai l'honneur de faire la présidence là depuis 2 ans, pour pouvoir parler des parcours de soins sur une partie particulière de l'addicto, donc qui nous réunit, qui est autour de l'addictologie et de la psychiatrie des pathologies duelles. Et donc, quand on regarde un peu le programme de la session, qui est assez dense, on peut avoir l'impression que c'est une superposition d'un empilement de choses qui ont peu rien à voir, mais finalement, quand on réfléchit un peu, c'est le sens même des Elsa et qu'on fait un peu le lien, on voit comment quelque chose que partagent tous les intervenants ici dans leur pratique au quotidien, comment l'aller vers, qui est une qualité qui nous habite dans notre métier et qui est aussi une qualité qui permet de nous dépasser nous-mêmes et aussi de dépasser un peu le système de santé. Et Delphine Ragonnet, qui est addictologue qui dirige une Elsa dans une structure somatique, nous montrera comment le soutien aux équipes et l'aller vers les équipes permet un peu de dépasser les paradigmes sur lesquels est fondé encore le système de santé. Florent Le Camus, qui travaille sur une Elsa au sein d'un hôpital psychiatrique, montrera aussi comment tout le travail de coordination qu'assurent les Elsa permettent de dépasser les murs et les cloisonnements entre ces disciplines qui sont cousines. Il y a quand même une filiation entre les deux, finalement. Annivelle Ramos, qui ne peut pas être avec nous, montrera comment la télé addictologie permet finalement d'aller et de dépasser les limites et les limites géographiques, puisqu'il coordonne une Elsa, l'Elsa Dordogne, qui est au sein d'un département qui est extrêmement vaste et assez dépourvu de structures de santé proches. Donc comment la téléaddicto permet de dépasser ça. Sandra Pinel aussi, qui est à distance, qui a enregistré son intervention, montrera comment l'aller vers les patients permet finalement de raccourcir le temps, d'accélérer le temps, d'aller. Voilà, quel est le travail des patients experts. Elle est présidente de France Patients Experts à Addiction et montrera comment cette innovation, un peu, je parlerai même d'innovation thérapeutique, permet finalement de gagner du temps où on sait que c'est absolument important dans la trajectoire de nos patients. Et Nathalie Enjolras montrera aussi, voilà, on est encore un cran après, on en veut 3.0 là, on va dire, comment d'aller au contact des aidants, comment les patients experts au contact des aidants des patients permettent finalement de dépasser les représentations et nos propres représentations sur les aidants et aussi sur les patients.
Donc je ne saurais, pour ceux qui ne connaissent pas bien les ELSA, je ne saurais que vous recommander le guide qu'on a travaillé en partenariat avec la Fédération Addiction. Il y en a plusieurs qui sont à l'extérieur, donc allez-y, ils sont pour vous. Ils reprennent en détail finalement ce qu'est une ELSA. Rapidement, c'est vraiment des toutes petites structures qui sont une majorité de personnel infirmier qui prédomine. Des missions de soins, je ne vais pas vous les détailler parce que vous les retrouverez franchement dans le guide, qui sont détaillées dans la circulaire 2008 qui est relative à la structuration du système sanitaire de santé en addictologie. Elles sont toutes détaillées sur la manière de faire. Et vraiment, ce n'est pas juste un catalogue, c'est comment on fait. C'est basé sur l'expérimentiel. Et donc voilà, le guide qu'on a travaillé avec un grand merci encore à Marion Munch de la Fédération Addiction et Bénédicte Delmas qui dirige une structure addicto à Perpignan, qui ont coordonné ce gros, gros travail qui est, encore une fois, sur les tables à l'extérieur. Je passe tout de suite la parole à Delphine. Merci, Romain. Hop. Donc, j'étais chargée de vous présenter le repérage des pathologies individuelles en addictologie. Et comme je sais que c'était une partie qui a déjà été traitée en début de matinée, en fait, j'ai préféré, pour éviter les redondances, de vous décrire ce que nous faisions en fait, dans le service d'addictologie de l'hôpital Édouard Herriot. Qui s'appelle donc le SUAL, le service universitaire d'addictologie de Lyon, qui réunit donc une ELSA, une équipe de liaison et de soins en addictologie, un XAPA, le centre de soins d'accompagnement et de prévention en addicto, une consultation d'addictologie et une consultation jeune consommateur post-urgence. C'est-à-dire que nous ne recevons pas du public tout venant, mais on a vraiment un lien. Je me rapproche. Un lien avec le service des urgences de l'hôpital. Donc, en fait, comme le premier retour d'expérience que je voulais vous décrire, c'est celui qui a eu lieu vers 2014 à l'hôpital. En fait, j'avais déjà été intéressée par ce sujet des pathologies duelles. Dans un mémoire qui s'appelait l'urgentiste, le psychiatre, l'addictologue, trois spécialistes pour un patient addict, j'avais essayé d'organiser avec le service des urgences comment on fait pour les patients addicts qui arrivent aux urgences et qui voient qui en premier et comment on fait. Et donc avec mes collègues psychiatres, parce qu'il y a une équipe de psychiatres 24 heures sur 24 au pavillon N, nous avions en fait décidé que la vie psy était donnée en premier s'il y avait des idées ou des gestes suicidaires, une hospitalisation sous contrainte de prévu ou une pathologie psy avérée. Après, lors d'une étude qui s'appelle Drugs, dépistage et repérage systématique des urgences des zones usagées de substances psychoactives qui a eu lieu en 2020. Nous avons poursuivi cette réflexion. En fait, cette étude, elle a commencé en février 2020, en même temps qu'une célèbre pandémie. Donc, en fait, elle a été assez hachée dans son organisation. Et le but, c'était vraiment d'évaluer la prévalence de l'usage des substances psychoactives chez les jeunes de 16 à 25 ans et de repérer les troubles de l'usage les plus fréquents. Donc c'était vraiment pour les patients, quel que soit leur motif d'admission aux urgences, donc moins de 25 ans. Il y avait un questionnaire déclaratif au départ sur la consommation des substances, des tests urinaires sur les consommations récentes de l'alcool, du tabac, du cannabis, de l'ecstasy, des amphètes, de la cocaïne, des morphiniques, et après des questionnaires, l'audit, le CAST et celui sur le tabac. Et il y avait tout un recueil d'ensemble de données, dont l'auto-évaluation de la santé physique et mentale des jeunes arrivant aux urgences. Et puis après, une étude sur leur parcours de soins post-urgence, l'existence ou pas d'une consultation ELSA pendant leur passage, et puis un rappel fait à 3 mois. Et donc là, juste cette diapo pour vous montrer que finalement, les 460 inclusions que nous avons réussi à faire sur donc cette période un petit peu difficile aux urgences, il y en avait quand même 57,8 de ces jeunes qui consultaient pour un trouble psychiatrique. Même s'il y a un biais, puisque les urgences du pavillon N sont les urgences somatiques et psychiatriques, mais quand même, ça faisait beaucoup. Avec des antécédents de violence physique pour 34% des cas, 40% violence psychologique et 23% violence sexuelle.
Je vous ai juste mis là les diagrammes des substances consommées. Donc évidemment, ça fait plus de 100% puisqu'il y avait des jeunes qui pouvaient consommer plusieurs substances. On retrouve quand même l'alcool en premier, 63%, le tabac 46% et le cannabis à 27%. Et puis après, dans les autres substances, il y a quand même les benzo-anxiolytiques qui sont à 9%. Après, donc, c'est plus retour vers le futur. On voulait pousser drugs, notre étude drugs, mais pour tout public, avec un projet qui s'appelle Emerscreen, qu'on a envie de mettre en place sur un dépistage systématique, pareil, dans le service des urgences, avec un rappel téléphonique par du personnel formé. Le but étant vraiment d'avoir un meilleur repérage des troubles de l'usage et donc une augmentation du nombre de patients entrant dans la filière de soins addictologiques et donc des patients, repérage des patients avec des pathologies duelles. Ça nous permet, nous, de voir plus de patients et après de repérer pour pouvoir travailler conjointement justement avec nos collègues des équipes psy. Donc, comme disait Romain, l'ELSA donc, a un gros travail à faire aux urgences où, chez nous, il y a une équipe vraiment qui est là de façon permanente. Mais on a bien sûr un travail avec les services MCO. Et donc là, on est plus en interaction avec l'équipe de liaison de psychiatrie. Et donc, je vous rappelle le fameux guide et avec vraiment un chapitre qui est fait sur l'interaction ELSA-équipe de liaison quand il existe des pathologies duelles ou quand il n'y a pas de pathologie duelle de diagnostiquer. Donc c'est vraiment de dépasser ce débat, ah ben celui-là non, il est plus addicto, celui-là il est plus psy, il faut faire, faut vraiment élaborer un projet sur mesure pour favoriser une prise en charge concomitante. Et puis, dans le service, on a également un XAPA. Le XAPA de l'hôpital Édouard Herriot, il est axé sur les addictions aux substances psychoactives illicites, avec délivrance, on a un centre de méthadone, les addictions aux médicaments détournés de leurs usages, avec l'ouverture du CERLAM bientôt, qui est un centre spécifiquement de recours sur les addictions médicamenteuses, et puis les addictions sans produits, et tout nouvel arrivant dans le service, en fait, bénéficie d'un bilan, enfin, on va dire le bilan classique, ECG, tension, et un questionnaire sur l'hygiène bucco-dentaire chez la femme enceinte, des examens complémentaires. Et on a mis en place de façon systématique de la psychométrie avec 4 tests sur l'anxiété et la dépression, HAD, les troubles du comportement alimentaire, le TDAH et les troubles de l'humeur. Donc ça, c'est systématiquement, fait pour tous les patients qui arrivent au XAPA. Et ça va nous permettre de mieux repérer et après de pouvoir contacter nos collègues en psy, que ce soit hospitalière ou ambulatoire, pour pouvoir co-construire quelque chose entre la prise en charge addicto et la prise en charge psy. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous, Florent Le Camus, du coup je suis en effet psychiatre qui a la chance de partager mon temps entre deux ELSA en fait, donc en service d'hôpital général à l'instar de Delphine, et aussi l'autre moitié de mon temps en ELSA en milieu psychiatrique, donc ce que fait aussi Christophe de son côté. Ça me permet du coup d'avoir une vision un peu double des choses comme ça, et là je vais vraiment beaucoup plus axer ma présentation sur l'intervention en psychiatrie. Ouais, c'est un peu le bordel. Tac. Pourquoi ça ouvre là-dessus, hein, c'est chiant. Beaucoup de choses ont été dites, le programme était assez dense, donc je vais éviter les répétitions, juste parler en fait de ma pratique, donc à savoir en psychiatrie et aussi du coup dans un centre hospitalier, on va dire, de taille modeste,
certains l'appelleront périphérique, d'autres à taille humaine. Mais voilà, en tout cas, pour montrer que des actions sont possibles par la petitesse de cet établissement, en fait, pour favoriser une approche intégrée. Oh, c'est pas du tout le bon truc, ça. Alors, hop. Excusez-moi. Voilà. On prend le temps de souffler. Bon, il n'y a plus rien qui marche. Je vais le faire sans slide au début. Hein. Juste les pathologies duelles, donc ça a déjà été évoqué, en fait, elles sont fréquentes. Donc évidemment, on y est bien exposé, on a toute notre place. Bah ouais, mais en fait, ça charge dans le vent. En psychiatrie, ces pathologies duelles, elles sont complexes. Donc on l'a bien évoqué beaucoup dans la matinée, à savoir que du coup, les prises en charge... Ouais, c'est ma clé, en fait, qui bug. Merde, c'est pas ça. On va y arriver. Voilà. Donc elles sont fréquentes, elles sont complexes, donc je ne reviens pas un petit peu là-dessus, en effet, elles nécessitent une approche qui est indimensionnelle et avec des influences réciproques. Je repasse juste un petit peu sur le modèle de Gorwood, en fait, qui est très ancien et qui, à mon sens, en fait, était intéressant au début et en fait, a entraîné une vraie problématique par rapport en fait, à la vision qu'on a de l'addictologie en psychiatrie. Donc on a souvent réfléchi en fait, à l'œuf et la poule, hein, pour le résumer comme ça, ce modèle, à savoir du coup, est-ce que l'addiction provoque le trouble psychiatrique ou est-ce que finalement la psychiatrie du coup, serait un petit peu prédisposante au trouble addictif ou s'il y aurait l'hypothèse un peu d'une automédication. En fait, ce modèle-là qui est très inscrit dans la tête des soignants, donc il a ce mérite-là, mais par contre, en fait, il a donné une approche très séquentielle de notre spécialité, à savoir du coup de traiter l'un ou l'autre, de trouver la cause des symptômes, de les traiter, puis que les choses s'amélioreraient. On se rend compte que ce modèle séquentiel, en fait, il n'est pas très, très efficace et qui favorise justement le cloisonnement dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Et puis, du coup, on sait que les pathologies duelles ont un pronostic défavorable quand elles ne sont pas traitées correctement. Je ne vais pas revenir sur une approche catégorielle, etc. Je vais faire une approche dimensionnelle un peu provocatrice, mais à mon sens, qui se retrouve bien en hôpital psychiatrique, à savoir un peu les trois profils de patients qu'on voit ou qu'on ne voit pas dans une ELSA psychiatrie. On a les patients dits bruyants. Donc, ce sont des patients qui en fait, ont début des soins en psychiatrie et qui, en fait, du fait de leur consommation ou des phénomènes de sevrage, vont présenter des troubles du comportement ou de ce qu'on appelle un peu en psychiatrie les transgressions du cadre. C'est des patients qu'on va nous envoyer un peu, en général, pieds et poings liés pour les recadrer, punir ou leur dire la bonne chose à faire. D'accord ? Donc, c'est des patients, en général, qui ne sont pas très, très motivés à venir parce qu'on les a contraints dans un milieu déjà qui est contraignant de base. Voilà. Ensuite, nous avons les patients qui sont issus de l'addictologie. Donc, on parlait que souvent, en fait, les pathologies duelles commençaient les soins en addictologie. Et en fait, c'est les patients que j'appelle les trop-trop, ça veut dire trop psy, trop addict, trop précaire. Donc, des patients qui auront été suivis bon an, mal an dans des XAPA, mais qui, au fil et à mesure de leur décompensation ou de leurs addictions, vont se retrouver dans des hospitalisations qui sont contraintes, pas forcément contraintes en termes administratifs, mais aussi contraintes par la famille, par les services de soins, qui ne savent plus quoi en faire et qui vont se retrouver en psychiatrie. C'est des patients qui vont être compliqués parce qu'ils auront suscité beaucoup d'épuisement un peu des différents intervenants. Et c'est des patients, du coup, en général, qu'on va nous demander en ELSA de trouver la solution miracle, en général addictologique, vu que ce n'est pas des patients qu'on considère comme psychiatriques. Et donc, il faudra trouver la prise en charge addictologique que personne n'aura encore pensé à faire pour pouvoir les prendre en charge. On est confronté à un vrai problème là-dessus. En général, les bruyants, c'est juste du coup les punir et leur dire qu'il faut arrêter de cette consommation, donc, ce qui en général montre une mauvaise connaissance de l'addictologie. Et enfin, une dernière portion de patients qui sont les tolérés. Ce sont des patients en général qui ont des débuts de soins en psychiatrie,
et qui, en fait, ont des consommations qui sont ni bruyantes ni embêtantes, finalement, de façon visible. Donc, c'est des patients, on a parlé du tabac, mais c'est aussi des patients qui peuvent, des fois, boire pendant leur permission ou fumer, mais qui ont, en général, des bonnes capacités cognitives pour suffisamment pas embêter trop l'équipe qu'on va laisser faire. Mais c'est des patients, en général, qui sont tolérés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils sont souvent des admissions en psychiatrie et des patients qui sont prolongés. On a évoqué un peu les liens entre addiction et pathologie psychiatrique, et on pourrait se poser la question, je pense assez raisonnable, de se demander si ces consommations tolérées n'entretiendraient pas les troubles et prolongeraient pas ces hospitalisations qui, justement, les rendent tolérées. J'ai fait un petit rond pour montrer qu'en fait, évidemment, les parcours, du coup, peuvent changer. Entre donc, les patients qui sont bruyants peuvent devenir tolérés et inversement. Mais c'est vraiment un petit peu ce qui se passe pour les patients qu'on nous adresse. En psychiatrie, il y a aussi autre chose qui est très, très répandue, c'est les idées reçues. On ne l'a pas trop abordé cette fois, mais les soignants ont beaucoup d'idées reçues. Donc, je parlais un petit peu de cette hypothèse un peu séquentielle. J'ai fait un petit peu un best-of autour de ce personnage, des différentes choses que peuvent évoquer les soignants, à savoir, il ne veut rien, il n'y a pas de problème, c'est tout ce qui lui reste, son seul plaisir. On ne peut rien faire, il ne changera jamais. En général, ces idées reçues viennent d'une méconnaissance de la psychiatrie et vont conduire à une absence de prise en charge. Ce sont des patients qu'on pourrait être amené à ne jamais rencontrer en psychiatrie. Parce que finalement, en général, des patients qui sont, comme je les ai dit, tolérés. Ensuite, il y a toutes les idées reçues qui concernent une idée séquentielle de la prise en charge. À savoir, il va s'aggraver, c'est pas le moment. Donc plutôt, laissez-nous faire notre travail en psychiatrie et on verra l'addictologie par la suite. Le tabac en est un excellent exemple. Benjamin Roland évoquait le lien entre tabac et décompensation psychotique. C'est des patients qu'on va laisser fumer ou on va mettre en place des protocoles de CSI à base de tabac toutes les heures, etc., qui vont susciter en général des appels de renfort, des choses comme ça, enfin des choses complètement aberrantes. Donc ça, c'est vraiment une vision, à savoir, laissez-nous gérer la psychiatrie, on verra l'addicto par la suite. Et enfin, une prise en charge séquentielle dans l'autre sens, je parlais des trop-trop, à savoir, c'est de l'addicto, vous gérez, il faut l'envoyer en cure. D'accord, on reçoit un petit peu des patients comme ça. Évidemment, ces patients, comme je disais, trop ont à peu près parcouru tous les centres de cure inimaginables de France et même en général hors région. Voilà. Donc, je reviens un peu sur les types de prise en charge. Donc, cette prise en charge séquentielle qui est encore très, très répandue dans l'idée des gens, dont on sait qu'elle est quand même très compliquée, parce que même si ça peut vouer fonctionner de façon théorique, on sait que nos patients avec comorbidité psychiatrique auront grand mal à accéder aux XAPA. Et inversement, les patients de XAPA, étiquetés XAPA, auront bien du mal à accéder au CMP. Et donc, du coup, en général, l'hermétisme, il se fait aussi de la pathologie des patients, mais également des soignants qui accueillent ou un patient étiqueté addicto. On va, en général, mettre le frein pour le recevoir sur un CMP. On est souvent confronté à ça. Nous sortons de notre équipe d'addictologie. On se retrouve avec des patients adressés par le CMP qui étaient suivis par le XAPA et que nous, on devrait prendre en charge. Donc, des choses très compliquées. La prise en charge parallèle, on va dire... une prise en charge complémentaire XAPA-CMP, comme on évoquait, mais les gens ne se parlent pas forcément, donc ou travaillent un petit peu chacun dans leur coin, peut-être de façon efficace, mais pas de façon très coordonnée ni totalement efficiente. La prise en charge intégrée, donc on l'a vu, hein, le projet des assises de santé mentale, c'est l'idéal. Ça concernera énormément, je pense, les CHU, les centres experts, donc pas forcément applicable, nous, en tant que petit hôpital périphérique. Donc, on peut se poser la question de comment pouvoir mettre en place, via les ELSA psychiatriques, une prise en charge intégrée et coordonnée. À quoi on peut servir ? Repérer les tolérés, donc à savoir vraiment finalement ces gens dont on tolère les consommations, mais qui pourraient avoir un impact sur leur évolution de symptômes, aller les chercher. Donc par la sensibilisation, on l'a évoqué, dans les unités. On a l'avantage du coup d'avoir un petit CH, donc de pouvoir se déplacer, donc participer au maximum aux relèves. On a un calendrier de relèves régulier pour essayer de participer aux relèves. Être disponible ou se rendre disponible pour participer à tout ce qui est synthèse, réunion clinique. Nous, dès qu'on nous envoie un mail, on essaie de se libérer pour vraiment apporter cet écart-là et pour éviter les répétitions. La dicto, c'est de la répétition. En général, on aime beaucoup répéter les choses en psychiatrie. Participer à des actions nationales, moi sans tabac, Dry January, on l'a évoqué. L'infirmière référent, je n'ai pas eu le temps de me mettre à la page, donc on parlera d'ambassadeur maintenant. La formation, je ne développe pas, mais c'est un grand champ, c'est une des missions de l'ELSA. Donc les formations au niveau formation continue, donc d'une durée suffisante pour vraiment toucher le maximum de personnel. Infirmier, aide-soignant, c'est facile. Les psychiatres, je n'en ai pas encore vu dans les formations qu'on propose. En général, les psychiatres ne participent pas aux formations proposées sur l'établissement, je trouve que c'est un grand tort. Formation aux nouveaux arrivants, et puis des formations sur mesure.
quand on reçoit 10 mails sur le CBD, il faut faire une formation sur le CBD, par exemple. Voilà, j'évoque un petit peu, du coup, on a un partenariat avec les différentes ELSA en psychiatrie du territoire, donc pour le mois sans tabac, donc des concours d'affiches, des affiches à colorier, courses d'orientation cette année avec en collaboration avec le service des sports, des cendriers que vous avez pu repérer aussi en arrivant, des pièces de théâtre pour vraiment sensibiliser et patients, mais également soignants. D'accord, un soignant sensibilisé nous adressera des patients. Voilà, l'autre partie, c'est échanger, d'accord ? Donc c'est vraiment pour ces patients trop ou pour ces patients bruyants, plutôt que faire chacun dans son coin ou pas faire du tout, c'est vraiment pouvoir échanger entre les deux. En termes d'orientation diagnostique, on l'a dit, on a une approche dimensionnelle, on a souvent des pathologies psychiatriques qui sont un petit peu bridées ou pas vraiment franches, il faut discuter de ça. Nous, quand on rencontre quelqu'un qui a un trouble d'usage d'alcool, on sait qu'il y a quand même une énorme part de bipolarité. Quand on rencontre un patient qui est sous antidépresseur tout court, c'est bien quand même de le mentionner ou de le chercher. Ça ne sera pas forcément fait pour X ou Y raison par nos collègues psychiatres. L'orientation diagnostique aussi, on a parlé du trauma, on cherche beaucoup ça en général, donc on peut vraiment participer à l'orientation diagnostique de nos patients. Les propositions de traitement, qui soit addictolytique, substitutif, hein, donc vraiment adapté, que ce soit les posologies, les molécules. En profiter qu'ils sont en hospitalisation pour le faire. Des fois, l'EXAPA n'ose pas faire pour X ou Y raison, on peut le faire en intra-hospitalier. Et enfin, en termes de choix de molécules, on sait que certaines ont un niveau de preuve un peu supérieur à d'autres dans des contextes addictifs. Mais également, ça a été évoqué à deux reprises, et c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur également, les interactions entre psychotropes qu'on prescrit et psychotropes que les gens prennent, d'accord ? Donc vraiment avoir ça en tête dans le choix de la molécule. Un patient consommateur de cocaïne à qui on prescrit de la kétiapine, on sait qu'il va faire du cubole artificiel. Donc il faut vraiment l'avoir en tête, ça veut dire vraiment choisir fondamentalement nos molécules ou en tout cas proposer à nos collègues des molécules qui seront le moins délétères. On sait aussi l'impact en termes d'effets indésirables, en termes de syndrome extrapyramidaux, d'abaissement du seuil épileptogène, donc vraiment faire attention à ça. Et ça, du coup, c'est un peu connecté aussi à la réduction des risques et des dommages, que l'on connaît bien en addictologie en termes de mode de consommation, que nos collègues psychiatres ne connaissent pas forcément, mais également, finalement, en termes de ce patient-là, il consomme peut-être plus à l'hôpital, il va être amené à reconsommer à l'extérieur. Faisons attention en termes de posologie, parce qu'on sait que s'il prend les deux en même temps, voilà, typiquement de la MDMA avec un antidépresseur, si on ne prévient pas et patient et soignant qu'il y a un grand risque de syndrome sérotoninergique, ça va être compliqué par la suite. Et puis en termes d'orientation, à savoir vraiment limiter le « voyez-le, il sort demain, il faut lui trouver un rendez-vous dans un XAPA », alors que finalement, en fait, on pourrait faire des choses bien antérieurement et créer du lien. On sait que c'est des patients qui ont des problèmes d'observance, des problèmes d'alliance thérapeutique. Nous, ce qu'on fait, c'est vraiment créer de l'alliance. On a la chance, du coup, d'être, je me présente souvent comme une sorte d'intérimaire en psychiatrie, à savoir que je ne décide pas du projet de prise en charge. Donc les patients qui sont quand même contraints, on leur offre un petit espace de liberté. Donc ça permet de créer du lien et donc du coup de permettre des orientations qui sont plus viables. Voilà, et enfin ma dernière diapo, donc c'est un peu pour symboliser ce qu'on a dit beaucoup maintenant, à savoir du coup quel est notre travail dans le parcours de soins des patients à pathologie duelle. C'est vraiment de faire le lien entre finalement la psychiatrie et les différentes structures qui y sont associées traditionnellement, donc le département de réhabilitation psychosociale, les CMP, les CHS, les dispositifs premier épisode psychotique, les hôpitaux de jour, les équipes parcours patients, j'en passe et des meilleurs. Et puis aussi, du coup, les structures en addictologie, j'en ai oublié beaucoup, je m'en excuse, à savoir les SSR addictologiques, les XAPA, les hôpitaux de jour, vraiment faire le lien. Et comment on fait le lien ? Avec du repérage, mais toutes ces actions doivent être bilatérales finalement. Et c'est vraiment le job aussi d'une ELSAPSY, à savoir un repérage des pathologies addictives en psychiatrie, mais également de favoriser le repérage des pathologies psychiatriques en addictologie, proposer des consultations à ces deux structures. On est souvent un peu, nous, contactés par des XAPA qui n'ont pas la chance d'avoir un psychiatre pour donner un avis temporairement. On parle à la téléconsultation, je pense que c'est aussi un outil. Faire des formations également bilatérales, à savoir former l'addictologie les psychiatres, mais également former à la psychiatrie les addictologues. Et puis évidemment, on l'a dit, finalement c'est un champ qui a développé, qui est encore assez peu développé, faire de la recherche en psychiatrie, en addictologie, en faisant parler un peu ces deux intervenants. Merci pour votre attention.
Bonjour à tous et à ceux chanceux qui sont sur place et à ceux qui le sont moins et qui, comme moi, sont à distance. Je voudrais remercier tout particulièrement les organisateurs de m'avoir invité à parler de la place de la e-santé dans les équipes ELSA et notamment au travers de la petite expérience que nous menons en Périgord depuis maintenant quelques années. Donc nous allons débuter tout de suite en faisant une petite introduction sur le fait que ce qui fait finalement le propre des équipes ELSA, pour ceux qui les connaissent ou ceux qui ont l'occasion de travailler dedans ou avec elles, eh bien nous savons que l'ADN fondamental, c'est celui du aller vers. Les ELSA sont des équipes qui se déplacent soit dans un même hôpital, soit sur un territoire, et elles ont pas mal de missions, mais que l'on peut quand même réduire à l'idée d'amener le soin là où il en a besoin et développer peu à peu ce que j'appellerais une culture addictologique à l'ensemble des professionnels de santé par le partage des connaissances. Si on regarde un petit peu de quoi ont besoin les ELSA pour mener à bien, je dirais, toutes ces missions, eh bien, on pourrait paraphraser le fameux adage qui dit qu'elles ont besoin d'un tiers de savoir, un tiers de savoir-faire et un très bon tiers de faire savoir. Et donc, dans ce cadre-là, on pourrait dire que tous les outils qui vont permettre soit de développer, soit d'améliorer la présence de ces équipes sur le terrain, en lien avec les patients, mais aussi avec les collègues de santé, eh bien, tous ces outils sont absolument intéressants et il serait peut-être inopportun de, a priori, les mettre de côté. Et la e-santé en fait partie, et je crois que les ELSA ont des choses à dire ou des choses à faire dans le cadre de ce type de relation de soins. Pour vous donner un petit exemple donc, de comment cette expérience se déroule en Dordogne maintenant depuis 2016, alors c'est basé sur un territoire de santé qui correspond à celui de tout département, et pour couvrir donc ce département, nous avons une équipe ELSA qui, au fil des années, s'est étoffée et vous voyez qu'elle est constituée de 6 ETP infirmiers, d'un ETP médecin, une sage-femme qui intervient à 0,8 et une secrétaire à 0,5. Donc c'est un vaste territoire extrêmement rural puisqu'en dehors des deux principales villes que sont Périgueux et Bergerac, les centres hospitaliers sont relativement dispersés sur ce grand territoire, comme vous pouvez le voir dans la diapositive suivante. Donc, nous avons une équipe qui est basée sur Périgueux, Bergerac et Montpon-Ménestérol, et nous avons des conventions hospitalières avec tout un réseau, bien sûr les hôpitaux généraux de des trois principales villes, Périgueux, Bergerac et Sarrois, mais également les hôpitaux locaux, des centres de détention, ainsi qu'avec l'IFSI pour ce qui concerne les cours à l'école d'infirmiers. Par ailleurs, il existe un grand nombre de CMP sur lesquels l'ELSA intervient parfois de façon plus ponctuelle en fonction de la demande. Donc, vous voyez une vaste équipe territoriale qui demande beaucoup de déplacements et c'est l'une des raisons qui nous avait motivés à l'époque à miser sur la téléconsultation. Alors là, il faut remonter à 2016 et ceci est parti du fait qu'à cette époque-là, l'ARS d'Aquitaine, donc basée à Bordeaux, avait promu le développement de la téléconsultation dans les centres hospitaliers spécialisés. L'ELSA de Dordogne, effectivement, étant rattachée à un hôpital psychiatrique. Et donc, nous avions eu la chance de pouvoir utiliser ces projets et nous avions comme principal objectif à ce moment-là d'optimiser le temps, c'est-à-dire de diminuer le nombre de déplacements, notamment du médecin, de donner aussi une certaine souplesse, de ne pas toujours attendre 15 jours ou 3 semaines pour avoir un rendez-vous médical, mais de pouvoir intervenir le plus vite possible, finalement de façon parallèle ou concomitante aux infirmiers de l'équipe. Et puis, d'une certaine façon, de rajouter, je dirais, de l'huile dans les rouages de l'organisation de notre équipe territoriale.
Nous avons à l'époque décidé, c'est ce que nous faisons encore beaucoup aujourd'hui, finalement d'organiser la téléconsultation autour de la consultation infirmière. C'est-à-dire qu'actuellement, plus de 80% des consultations sont ainsi faites que l'infirmier Elsa est en déplacement. Il est avec le patient, on fait une vraie consultation infirmière sur laquelle le médecin vient se rajouter durant une partie de la consultation sous la forme de télésanté et va permettre finalement la plupart du temps de peaufiner le diagnostic ou de pouvoir faire l'ordonnance ou faire une orientation plus spécifique sans être obligé d'attendre une consultation présentielle. Donc voilà un petit peu ce que nous avions développé à l'époque et que nous continuons à faire en sachant que pour que ce soit relativement souple, il faut que les infirmiers aient la main sur au moins une partie du planning du médecin. Alors pour ma part, ce que je fais, c'est que j'organise une heure par jour, il n'y a pas de rendez-vous marqué à l'avance, et les infirmiers de l'équipe Elsa savent qu'ils peuvent rajouter au dernier moment une consultation, il suffit de m'appeler et on débloque très vite la possibilité de faire une consultation en visio. Une fois que le médecin a terminé le travail avec le patient, l'infirmier va rester un petit peu plus longtemps avec le patient, déjà pour s'assurer que tout est bien terminé, que le patient est satisfait de l'entretien, donc recueillir aussi les impressions, répondre aux éventuelles questions, organiser les prochains rendez-vous, que ce soit en visio ou en présentiel. Et je tiens à souligner qu'aucune des séances n'est jamais enregistrée, ce n'est que du streaming. Il n'y a pas d'enregistrement pour éventuellement un visionnage ultérieur. Alors, pour qui nous utilisons la plupart du temps la téléconsultation? Alors, essentiellement des avis, vous savez que les infirmiers d'Elsa voient souvent les patients en première intention et font appel aux médecins en fonction de leurs difficultés ou des besoins du patient, notamment tout ce qui relève du traitement, notamment donc faire poser le traitement, mais également faire les ordonnances, faire les renouvellements, etc. Les éventuelles orientations, quand il y a hésitation entre un patient, est-ce qu'on fait un sevrage ambulatoire, est-ce qu'il va vers l'hôpital de jour, l'addictologie, est-ce qu'il peut prévoir une opinion complète ou en psychiatrie, etc. Peaufiner le diagnostic éventuellement et faire aussi les diagnostics de comorbidité et notamment des maladies pathologies duelles qui, vous savez, ces dernières années ont pris de l'importance au fur et à mesure qu'on avançait dans les connaissances à la fois de l'addiction mais également de la maladie psychiatrique. Globalement, ce travail aujourd'hui représente 20-25 séances par mois en moyenne. C'est relativement modeste mais suffisant quand même pour faire un travail assez intéressant. Et nous sommes aujourd'hui dans une phase d'expansion, c'est-à-dire de développer la téléconsultation avec des zones du territoire dans lesquelles nous sommes moins présents et aussi à former des infirmiers qui, eux, travaillent déjà dans des CMP, qui ne font pas partie de l'ELSA, mais qui sont motivés pour des patients qui ont des troubles psychiatriques d'avoir un avis en téléconsultation avec soit les infirmiers de l'ELSA, soit avec le médecin de l'ELSA. Nous avions en 2019 une toute petite enquête qui ne se voit absolument pas scientifique. Il s'agissait vraiment d'une petite enquête d'opinion. Nous voulions savoir un petit peu si quand même ce que nous faisions était validé par les patients, par les soignants. Donc nous avons finalement observé l'état des lieux, je dirais, auprès de 62 patients qui avaient pu bénéficier de la téléconsultation. Alors, la première chose qu'on a vue, c'est un taux de satisfaction relativement important. Et surtout, ce que nous avons remarqué avec nos patients, c'est que pour eux, c'était assez normal. Ils sont déjà habitués à l'écran pour des communications dans leur famille, avec parfois d'autres professionnels de santé. Donc, il n'y a pas eu de grandes difficultés à les convaincre de l'intérêt du système. On voit quand même que pour 16 patients, il y a eu des rendez-vous présentiels à la suite. Notamment, c'était des patients pour lesquels il y avait vraiment des doutes sur les diagnostics, des choses un petit peu plus compliquées, complexes à observer. Et de ces 16 patients, vous voyez que 11 ont une comorbidité psy confirmée, hein, ce qui va donner le thème de la pathologie duelle. Et puis, 7 patients qui ont été mis sous traitement de substitution aux opiacés, que nous n'avions pas mis d'emblée suite à la consultation en visio. Et 8 patients qui ont été hospitalisés pour un sevrage d'alcool. En, en,
hospitalisé de façon pleine, pas en hôpital de jour. Alors, comment c'était finalement avant la Covid en France ? Alors, c'est quelque chose que nous avons essayé de voir, et notamment cette enquête qui remonte à août 2020 a été menée par Elsa France et le COPA, donc juillet août 2020. On a cherché un petit peu à savoir l'état des lieux. Et là, on s'aperçoit qu'avant la Covid, il y avait déjà finalement des consultations à distance, hein, notamment par téléphone, et surtout par téléphone. C'était quelque chose d'assez courant pour les infirmiers. Comme vous voyez, plus de 40% des infirmiers qui ont répondu à l'enquête avaient l'habitude de faire des consultations par téléphone avec les patients de leur territoire. 20% des médecins disaient également qu'ils faisaient régulièrement des consultations par téléphone. Les psychologues, par contre, n'en faisaient pas. Et sur, quand on regardait la vidéo, il n'y avait que 3,5% des médecins qui utilisaient la vidéo pour faire de la consultation. Donc ça, c'était avant la Covid. Finalement, pendant et après la Covid, ce qu'on peut voir, c'est que, notamment lors du premier confinement, il y a eu une accélération du processus avec 35% des médecins qui ont fait de la visio. Les psychologues s'y sont mis. Et après le confinement, on voit quand même qu'il est resté un petit peu de pratique de visio pour les différentes consultations, qu'elles soient individuelles ou parfois même en groupe, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, et d'ailleurs pour des indications assez diverses qui vont au-delà de la consultation individuelle ou de psychothérapie. Nous, ce que voyons, alors les soignants ont relativement validé donc cette technique, comme vous pouvez le voir, avec des sensations que c'était plus facile d'avoir des rendez-vous avec les patients, de pouvoir les mobiliser. Évidemment, ça réduit les temps de transport. Et l'interface virtuelle peut amener aussi un plus, indépendamment de la notion de distance. L'intérêt dans le cas des ELSA, comme je l'ai déjà dit, je ne vais pas me répéter longtemps, c'est tout ce qui va relever de l'amélioration de la mobilité, de la présence, de la flexibilité. Et je tiens à souligner que ce système a permis aux ELSA de rester très présentes auprès de leurs patients pendant les périodes de confinement. Donc, ça a permis d'assurer, comme on dit. Les limites, eh bien, ce sont celles qui paraissent assez évidentes. Hein. C'est tout ce qui est lié à les techniques. Et malheureusement, dans les départements comme la Dordogne, qui sont souvent ceux qui ont le plus besoin de soins à distance, eh bien, c'est là où parfois les réseaux de technologie sont les plus défaillants. Donc ça, je crois qu'il faut qu'on compte beaucoup sur l'amélioration à l'avenir. Les limites de la clinique, hein, la peur de passer à côté de quelque chose puisqu'on ne touche pas le patient, on ne fait pas d'examen, en tant que médecin en tout cas. Et puis la confidentialité, est-ce que le patient vient tout seul chez lui, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être entendu. Parfois, on a des patients qui refusent, donc toutes ces limites-là sont celles à laquelle vous avez probablement été déjà confrontés, peut-être même dans d'autres domaines. En tout cas, ils sont très présents dans la téléconsultation. Pour conclure et pour faire quelques petites remarques, je tiens à souligner qu'en fait, la télémédecine va se développer, ne serait-ce que parce que c'est possible, parce qu'elle amène beaucoup de souplesse, et parce que le dématérialisé, de toute façon, se développe dans des tas d'autres domaines que la santé. Donc, la santé n'y échappera pas, c'est une évidence. Par ailleurs, elle représente un plus qui est cohérent avec l'organisation dynamique des ELSA, qui ont besoin de quelque chose qui est plastique et souple et qui peut permettre un développement confortable sur les territoires. Elle pourra, je pense, à l'avenir permettre d'atteindre plus de partenaires, des partenaires avec lesquels nous travaillons de façon beaucoup plus souple, et puis peut-être à terme de développer les liens avec la médecine libérale, notamment les médecins traitants, ce qui pourrait permettre aussi d'améliorer les relais, notamment pour les traitements de substitution. Je tiens juste à dire aussi qu'il ne faudrait pas que la téléconsultation remplace concrètement et totalement, je dirais, les liens physiques. On voit bien avec les crises actuelles comment le manque de liens est traumatisant pour beaucoup de patients. Et surtout, le danger, c'est qu'on vienne justifier la diminution de l'investissement humain dans les équipes ELSA sous prétexte que la télésanté existe. Il est bien important de considérer que l'activité téléconsultation est une activité qui s'ajoute, mais qui ne remplace pas complètement les autres activités des équipes. Et donc, il faut rester très vigilant sur cet état de fait et miser sur la formation des équipes à la téléconsultation parce que ce sont des consultations spécifiques qui demandent quand même un petit peu d'entraînement. Voilà, je voulais vous remercier pour votre invitation
Et je voulais ne pas passer à côté de citer Matulan, pour ceux qui connaissent, qui nous a quittés l'année dernière, et qui disait, et je pense que ça s'applique tout à fait bien à la téléconsultation, que le langage ne permet de dire que ce langage-là permet de dire, et donc il ne faut pas attendre de la téléconsultation qu'elle fasse plus que ce qu'elle peut donner. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de congrès dans cette belle ville de Lyon. À bientôt. Bonjour, je suis Sandra Pinet, présidente de l'association France Passion Expert Addiction. Merci beaucoup de m'avoir invitée à participer à cette journée. La place des patients experts addiction dans le dialogue addiction psychiatrie et les parcours de soins. Je vais essayer de développer ce thème au mieux. Donc France Passion Expert Addiction certifie des patients experts addiction. On est vraiment dans le care et le cure. Et ne laisser personne sur la route. On est vraiment dans ce système-là. Le parcours de la certification patient expert addiction, c'est vraiment une approche personnalisée avec un témoignage de sortie des addictions. C'est un des prérequis, bien sûr, d'avoir vécu un parcours dans les addictions, de s'en être rétabli et d'avoir accompagné ses pairs. Donc, c'est vraiment une approche qui est personnalisée, respectueuse et qui va être professionnalisante au bout du parcours, bien sûr. Donc c'est vraiment une partie importante, le fait d'avoir cet aspect réflexif sur son parcours et de pouvoir du coup aider ses pairs. Et il y aura évidemment ce phénomène d'identification qui va être important dans l'accompagnement des pairs. Donc exercer des activités de patient expert dans le champ des conduites addictives, c'est vraiment le thème complet de cette certification qui fonctionne sur le mode de la validation des acquis d'expérience avec des compétences à valider qui vont permettre vraiment de pouvoir accompagner les personnes en difficulté avec leur addiction et y compris bien sûr celles qui souffrent de pathologies psychiatriques bien sûr. Donc ça offre à la personne qui est en face, qui est en souffrance avec son addiction, une perspective de rétablissement. C'est possible, on voit que c'est possible. Et cette posture du patient expert addiction va permettre une médiation vers les soins. Ça permet également d'accompagner à la réduction des risques et des dommages. On sait que certains patients ne sont pas encore prêts à complètement arrêter ou ça peut même les mettre en péril d'arrêter de consommer un produit qui modifie le comportement. Un patient expert addiction va pouvoir aussi permettre de porter son savoir expérientiel. Son expérience va être importante pour le patient en face de lui. Il va donner confiance aussi, il va créer un lien qui est très important pour le rétablissement de la personne. Ça s'insère aussi dans les pratiques et les formations des professionnels. Ça permet vraiment aussi que les professionnels se rendent compte de la réalité du patient, ce qui vit, sa souffrance, la difficulté à arrêter les produits, pourquoi parfois c'est si compliqué et pourquoi il y a des rechutes, des allées, des retours entre les soins, pourquoi c'est si compliqué parfois. Et puis le patient expert addiction, comme d'autres pairs aidants ou médiateurs santé pairs, est vraiment au triangle, au cœur d'un triangle qui est celui du patient usager, celui qui vit la souffrance, l'addiction, la pathologie, les associations de patients aussi, les structures de soins et tout ce qui est autour de la recherche et les politiques publiques en addictologie et les sciences sociales. Vraiment au cœur de ce triangle-là, c'est intéressant. Les substances psychoactives sont utilisées comme des remèdes aux troubles psychiatriques. Bien souvent, c'est ça. En fait, le fait de consommer va permettre à la personne de s'apaiser. Enfin, c'est autothérapeutique pour certains. Et arrêter serait même dangereux, puisque ça pourrait augmenter les troubles psychiatriques. Donc, les patients experts à addiction ont vraiment un rôle pour informer, prévenir, faire de la prévention autour des consommations. Et accompagner vers les soins. C'est ça aussi l'important, c'est ce lien qu'il va y avoir avec le patient expert addiction qui va permettre de maintenir les soins tout en offrant à la personne, en lui permettant de trouver une homéostasie, un équilibre finalement, de pouvoir faire la balance entre les bénéfices et les risques
de ses consommations, l'informer aussi sur les produits, hein, quels sont leurs effets, quels sont les contre-effets aussi qu'elle va ressentir, qu'elle connaisse mieux, en fait, finalement, les effets de ses consommations, et qu'elle puisse elle-même, au bout du compte, choisir le moins dangereux pour elle, le moins, qu'est-ce qui va avoir le moins d'effet sur sa vie, finalement. Voilà. On est vraiment là à accompagner la personne à trouver le juste équilibre. Pour exemple, je souhaitais prendre l'exemple d'une personne que nous accompagnons sur le forum Addicted. Le forum Addicted est modéré et animé par des patients experts addiction de notre association. Donc là, c'est l'exemple d'une personne qui souffre d'une pathologie, d'un trouble bipolaire, qui l'annonce donc, sur le groupe. C'est une personne qui a déjà arrêté ses consommations d'alcool il y a plusieurs années. Et là, son objectif, c'est d'arrêter très progressivement le tabac. C'est son objectif actuel. Elle connaît les symptômes de son trouble psychiatrique, elle sait très bien le repérer, ce qui est très important. Donc nous, notre rôle, les patients experts addiction dans ce cadre-là, ça va être d'aider la personne à connaître les effets du tabac, du coup, hein, des substances psychoactives, mais dans ce cas du tabac sur ses troubles, comment le tabac peut venir parfois apaiser, et puis aussi d'autres effets pour cette personne-là. Le maintien, bien sûr, des soins et des traitements, bien sûr, on l'accompagne à continuer à consulter, à prendre son traitement. Ce n'est pas parce qu'il peut y avoir des améliorations qu'il faut qu'elle arrête son traitement ou qu'elle le diminue. Hein. Vous voyez, on est vraiment là-dedans à maintenir ce lien et être dans une médiation aussi. Hein. Et puis, arrêt progressif des consommations pour ne pas mettre en péril son bien-être et son abstinence à l'alcool. Donc cette personne le dit bien, elle avait diminué d'une cigarette par semaine, ça peut vous paraître peu, mais pour elle c'est beaucoup. C'est une personne qui a 30 cigarettes par jour, qui diminue petit à petit. Il y a eu une semaine où il a remonté d'une cigarette puisqu'il avait eu une crise de manie et qu'il la sentait venir, cette crise de manie. Donc plutôt que de diminuer encore, la priorité était vraiment son bien-être psychique. Donc il vaut mieux, à ce moment-là, nous l'accompagner pour trouver le juste équilibre, encore cette homéostasie. Hein. Donc, addiction en psychiatrie, hein, c'est une pathologie au double visage, aux deux visages. C'est des personnes qui ont une dépendance très, très forte aux substances psychoactives, qui ont des consommations aussi très importantes, peut-être beaucoup plus importantes que la population générale. Donc, on le sait, donc il faut adapter vraiment sa posture. Donc, le patient expert addiction va vraiment accompagner à la réduction des risques et des dommages, parce que la personne trouve vraiment ce qui lui fait le moins de mal. Le maintien du traitement, bien sûr, et la connaissance des effets des drogues et trouver cet équilibre qui est si important pour son bien-être. Donc le patient expert en psychiatrie, finalement, quand il intervient en psychiatrie, le patient expert addiction, il va être là pour une médiation et maintenir les soins. C'est vraiment ça qui est important. Avec ce phénomène d'identification que j'expliquais en début de présentation, ce bilinguisme, cette capacité à parler à la fois le langage du patient et celui des professionnels, de pouvoir justement maintenir le lien. Et il va apporter un autre regard aussi aux professionnels, celui de son vécu des addictions. C'est aussi important de pouvoir être là aussi pour traduire la réalité du patient aux professionnels. Donc on est vraiment dans le care and cure, et c'est ça aussi de pouvoir apporter cette compétence-là des patients experts addictions. C'est que Care & Cure sont dans un bateau et personne ne tombe à l'eau, on ne laisse personne sur la route et on accompagne aussi les patients en grande difficulté qui souffrent de cette pathologie duelle, de ce trouble addictif et de ce trouble psychiatrique. Merci de m'avoir écouté et de m'avoir invité à cette journée. Je suis ravie d'y participer, même en visioconférence.
bonjour à tous. Donc, je suis Nathalie Enjolras, je suis chargée d'études aux Hospices civils de Lyon et je suis également patiente experte en santé mentale. Moi-même, j'ai été mise en difficulté vis-à-vis de la consommation de substances psychoactives, comportement en dualité avec une pathologie psychiatrique bien étiquetée et traitée. Donc, j'exerce en tant que patient experte au XAPA de l'hôpital Édouard Herriot dans le service du docteur Ragonet. Donc, mes activités s'organisent autour d'entretiens en face à face avec des patients. Il m'arrive aussi d'intervenir en ELSA en constituant un binôme avec un soignant. Et puis, on m'a proposé également de participer à la prise en charge de proches aidants. Donc, ce programme a été initié à peu près un an au XAPA de l'hôpital Édouard Herriot. On a pris modèle sur un programme qui existait déjà sur la prise en charge des proches aidants, qui s'appelle le programme BREF, pour des aidants de patients suivis en psychiatrie. Donc, ce programme a été mis au point par le docteur Romain Ray, ici à l'hôpital de Vinatier. Donc, dans ce programme, un binôme de soignants prend en charge une famille en absence du patient, et ce à travers, trois rendez-vous. La première séance, on met plutôt la famille dans la narration. Dans la deuxième, on propose un échange autour du proche malade. Dans la troisième, on propose un échange autour du ressenti de la famille. Et à ce troisième rendez-vous, un représentant de l'UNAFAM est présent et propose un parcours dédié pour les proches. Ce programme aussi a une particularité, c'est-à-dire qu'il propose des illustrations aux aidants de façon à ce qu'ils s'identifient davantage à des situations. Donc ici, c'est un exemple d'illustration autour du proche malade qui est proposé pour la deuxième séance. Donc vous voyez tout ce qui est précarité, solitude. En bas à gauche, tout ce qui est mésusage et effet indésirable des médicaments, la léthargie. En haut à droite, l'incompréhension. Des cartes aussi pour les proches eux-mêmes sur la solitude, l'idée qui se font de l'hospitalisation du proche, les difficultés de parcours de soins en bas et les difficultés pécuniaires. Et lorsque les aidants sont pris de façon précoce, lorsque le proche est hospitalisé ou qu'il a reçu un diagnostic, eh bien, on peut voir par cette courbe que les symptômes dépressifs diminuent significativement lorsque ces personnes sont prises en charge par le programme BREF. Donc, nous, au XAPA, on a repris la même configuration de ce programme, donc trois séances. Pour l'instant, on n'a pas forcément demandé à un représentant de l'UNAFAM d'être présent, même si ce serait pertinent. Mais on s'est posé plutôt la question de savoir quelle était la place du patient expert dans ce programme. De plus, on a glané des différentes illustrations sur Internet, davantage sur la thématique de l'addictologie. Donc, vous pouvez le voir ici, le mensonge, les difficultés avec la justice, l'overdose. Pour la troisième séance, l'épuisement. On a repris la carte du milieu de la psychiatrie parce qu'elle était aussi assez pertinente en addictologie. Et puis, à droite, le fossé qui se creuse entre le patient et sa famille. Donc, depuis à peu près un an, une petite dizaine de familles ont été prises en charge au XAPA. Lorsque je suis arrivée dans le service pour mon stage de DU de père aidant en santé mentale, une famille était déjà prise en charge pour les deux premiers rendez-vous. Donc, je me suis surajoutée au binôme pour la troisième séance et j'ai pu témoigner, partager les outils qui m'ont aidée en stabilité.
et sur les besoins vis-à-vis de l'attitude de mes proches aussi et mes besoins vis-à-vis de mon équipe soignante. La deuxième famille, eh bien, on m'a proposé de participer à chaque séance et tout au long du parcours, j'ai pu informer à la demande. Mon rôle est, en plus du binôme de soignants, est d'écouter, d'accompagner les aidants, d'orienter vers des ressources que j'ai testées et que mes aidants aussi ont testées. Pour la suite des familles, je suis intervenue plutôt à la deuxième séance lorsqu'il est question du proche malade. Et vous voyez que c'est un exemple assez pertinent de renforcement des interactions entre la psychiatrie et la addictologie. Hein, pour nous, il n'y a pas de cloisonnement. D'autant plus que depuis 6 mois, nous continuons des échanges pour formater ces cartes. Donc, vous voulez voir ici la différence de cartes sur l'incompréhension. Donc on a rajouté du dialogue. La carte sur le mensonge a été finalisée. Puis la carte sur la précarité, on a voulu insister sur la solitude du patient, son insécurité, en lui donnant un nouveau compagnon. Et ce sont des échanges très intéressants, puisqu'il y a le regard des soignants sur ces cartes, il y a le regard des familles aussi, puisqu'on leur a demandé un retour sur ces nouvelles cartes. Et puis, il y a le regard du patient expert qui ne voit pas forcément les choses sous le même angle. Donc, en conclusion, on a mis en place au XAPA de l'hôpital Édouard Herriot ce nouveau programme, bref, addictologie. C'est intéressant parce que les familles ont souvent découvert l'existence de cette nouvelle profession qu'est le patient expert. Pour ma part, moi, j'interviens essentiellement à la deuxième séance. Et je le répète, c'est vraiment un exemple de mutualisation des savoirs entre la psychiatrie et la addictologie. Et nous continuons nos échanges pour les illustrations et avons eu l'idée de décliner ces images pour les départements d'outre-mer. Rétrospectivement, on pense qu'il faudrait mieux informer les familles sur la notion de patient expert dès le début de la prise en charge. Nous nous questionnons aussi sur la présence d'un représentant d'une association à la troisième séance, une association plutôt sur un versant addictologie. Et puis la formation bref addictologie va avoir lieu très prochainement ici au Vinatier. Donc elle est ouverte aux soignants, aux familles, aux patients experts et elle est gratuite. Voilà, je vous remercie. Merci à Johan Souchet aussi, peut-être qu'il nous écoute. C'est lui qui coordonne au CLAP toute la mise en place de ce programme, bref, addictologie. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame, pour cette présentation extrêmement intéressante et vivante. Alors, je vous propose qu'on fasse un tour pour les questions dans la salle. Il y a quelques questions qui ont été posées sur l'Internet aussi, que nous évoquerons après avoir répondu à vos questions. Et nous avons un micro qui est à votre disposition. N'hésitez pas à vous signaler. Et on peut demander donc aux intervenants de ce matin de nous rejoindre sur l'estrade, si ça... Si ça leur convient, ce sera plus commode, je pense, pour les échanges. Commencer par les questions du Zoom. Je ne sais pas s'il y a une liste quelque part. Je me rappelle qu'il y avait une question pour le professeur Brousse, mais je ne sais pas s'il est encore là. Ou si quelqu'un pourra répondre à sa place sur un programme que je ne connaissais pas. Alors,
Concernant le Zoom, il y a une question, c'est comment contourner les freins des patients concernant les problèmes de mobilité et d'alliance thérapeutique ? Qui veut s'en saisir ? Il n'y a pas de, je crois qu'il n'y a pas de destinataire. L'un d'entre vous, celui qui veut bien, il faut appuyer sur le bouton simplement. Pour la question, je ne sais pas si c'est simple. Comment on... Je pense que l'entretien motivationnel aborde aussi cette partie là, autour de la dissonance et de la réactance. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'outils en entretien motivationnel qui permettent finalement de dépasser ça, de les anticiper, voire de temps en temps presque de les faire venir pour justement les contourner ou pour les travailler. C'est difficile. Encore une fois, je pense que tout le travail de l'entretien motivationnel est basé sur le patient et non pas sur la position sachante du soignant qui va imposer sa vision des choses sur ce qu'il faut faire, ce qui est bien, ce qui est mal, etc. C'est écouter le patient dans ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable d'entendre, et de temps en temps aussi pouvoir savoir lui renvoyer, parce que ça, c'est l'EM nous l'apprend, lui renvoyer ça, son ambivalence, ça fait partie de l'EM, mais aussi de temps en temps sa provocation, ou qu'est-ce qu'il cherche finalement là-dedans, et plutôt le mettre en relief comme ça, c'est un argument qui prouve plutôt que vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à sortir de cette problématique dans laquelle vous êtes, et peut-être qu'il faut qu'on redéfinisse l'objectif. C'est comme ça que j'essaierai de répondre à cette question. Merci beaucoup. Il doit y en avoir d'autres, je suppose, sur Zoom. Une question dans la salle, oui. Bonjour, c'est une question juste de précision pour l'équipe de Prépsy. Vous proposez d'intervenir dans toute la France ou seulement dans la région parisienne en fait ? Merci. Oui. En fait, on va le préciser, mais effectivement, c'est un programme national que nous avons séquencé. D'abord, on a commencé sur 5 régions test avec un comité d'experts aussi. Tout ça est expliqué sur notre site internet Prépsy Contact. Et nous avons la charge de le faire à la fois sur le territoire métropolitain et aussi sur les DOM-CROM. Et ça aussi, c'est un problème très, très important. Donc, c'est pour ça qu'on teste avec vous aussi la faisabilité de vous faire se rencontrer. J'avais une autre question pour... en fait, Georges Brousse, qui ne doit pas être là, donc je me tourne vers Jean-Michel Delisle, éventuellement. Éventuellement, ce n'est pas une question piège, c'est si vous avez le moyen de répondre. C'est vrai que l'intervention de Georges était super, très, très intéressante. Ça m'interrogeait sur... je me suis demandé, en fait, ma réaction, c'était de me dire, est-ce que cette recherche de troubles psychiatriques systématiques pour les patients addicts, elle concerne plus les patients jeunes face à des patients plus âgés où il faudrait rechercher des troubles cognitifs ? Voilà, c'était un peu cette question-là que... qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà, merci. Oui, alors c'est une question tout à fait importante à laquelle on peut partiellement répondre, puisqu'il y a des données qui montrent schématiquement que plus les personnes sont jeunes, finalement, plus on verra la pathologie mentale comme étant un facteur causal de l'entrée dans le problème d'usage de substances. Et à l'inverse, plus on vieillit, plus parfois ça va être des addictions comportementales, de groupe, des consommations d'alcool qui secondairement vont déboucher sur des complications du côté des troubles mentaux et notamment de la dépression, entre alcool et dépression. Et je pense que c'est une des raisons historiques d'ailleurs qui a créé des difficultés dans notre champ en fait.
puisque beaucoup d'acteurs dans le champ de l'alcool, quand j'étais jeune, donc il y a un certain temps, étaient des médecins des dommages, en fait, des hépatologues, notamment beaucoup, des chirurgiens aussi hépatiques, c'est-à-dire qui s'intéressaient à cette question au travers des problématiques qu'ils rencontraient chez des personnes qui commençaient à avoir des complications physiques, 40 ans, 50 ans, 60 ans, notamment des complications hépatiques, liées en fait à une origine qui était l'addiction. Et donc ils avaient une représentation selon laquelle vraiment c'était l'addiction la cause de tous les problèmes, que la seule solution finalement c'était l'abstinence. À l'inverse, moi je suis d'origine toxicomaniaque, si j'ose dire, puisque je travaillais en CSST, hein, le CUD à l'époque c'était un centre de soins pour toxicomanes. Et là typiquement on recevait des patients jeunes, qui avaient des problèmes d'héroïne, de cannabis, qui avaient des troubles du comportement extrêmement précoces, et où finalement les intervenants, souvenez-vous, Olivenstein à Paris, enfin toute la première génération des intervenants toxicomanistes, étaient des psychiatres justement. Ce qui montrait bien que les signes d'appel dans ces types de catégories plutôt juvéniles étaient beaucoup plus de l'ordre du trouble comportemental, mais aussi souvent de l'expression d'une souffrance, enfin de troubles mentaux, etc. Donc ensuite, c'est cette vision-là peut-être qui a créé des quiproquos, parce que de notre côté, nous avions tendance à penser qu'effectivement, les usages de produits qui venaient aggraver les choses étaient quand même secondaires à des problèmes psy, des déficits d'attention, d'histoire traumatique, enfin ce que j'évoquais tout à l'heure. On voyait beaucoup de familles éclatées, enfin de ce type de situation. Je suis thérapeute familial, donc je m'intéressais beaucoup à ce que vous disiez aussi. C'est pour ça que j'étais entré au CUD, c'était pour accueillir des familles. Et donc ça a été au moment de la fusion finalement des filières, dans la mesure où les problèmes d'alcool qui interviennent chez les jeunes sont souvent sous forme de binge drinking, donc ne correspondent plus à cette imprégnation chronique, un peu culturelle d'autrefois, mais s'intègrent plus finalement dans une dynamique qui était celle qu'on voyait chez les toxicomanes, que finalement on arrive peut-être à une convergence. Et c'est une des raisons pour lesquelles je fais vraiment un plaidoyer pour une addictologie transversale, c'est-à-dire qui implique à la fois des psychiatres, des addictologues, des médecins généralistes, pourquoi pas des acteurs de santé publique, et pourquoi pas des hépatologues, des pneumologues, etc. Mais parce que finalement, on se rend compte que tendanciellement, selon les tranches d'âge, on voit que le ratio de responsabilité, disons, de causalité n'est pas le même, mais globalement, il s'agit toujours de la même question, et quoi qu'il en soit, il faut toujours faire une approche intégrative dans la mesure du possible, évidemment. Ah voilà, je ne sais pas si... Je vous ai pas, vous effectivement tout à l'heure pas dit ça clairement, mais tout est en ligne sur le site du RESPAD, www.respad.org. Vous aurez autant les formations que les colloques, les modules d'inscription, voilà, toutes les inscriptions possibles aussi au newsletter, etc. Et j'ai pas rappelé aussi tous ces colloques, les formations et puis également les guides qui sont devant, notamment l'amphithéâtre, pour certains d'entre eux, sont gratuits. Voilà, donc on vous les envoie aussi gratuitement. Il y a juste à faire la demande formelle et on vous les fait parvenir très rapidement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Juste une... Qui réagir? Ah oui, Benjamin. Oui. Je ne sais pas si on a le temps encore, mais une remarque et peut-être une question aussi. Féliciter d'abord l'équipe de Prépsy Contact, parce que ça fait un petit moment que j'étais plus retourné sur le site et j'avais vu le projet, la maquette, et là on voit que ça se réalise. Et donc graphiquement, c'est vraiment très agréable. Tout de suite, ça répond aux choses. Et cette carte hein, des structures, alors peut-être qu'il y a vocation à s'étendre, c'est un peu le sens de ma question, puisque là, il y a les CJC, les CMP, mais c'est vrai que si on avait les hôpitaux psy, je suis désolé parce qu'on fait la liste, hein, mais les XAPA, etc., on voit bien quelle utilité ça pourrait avoir, et ça a déjà pour les structures de se connecter, de se repérer, etc. Et ma réflexion, quand Nicolas Bonnet présentait tout à l'heure les outils mis en ligne par le RESPAD, je me faisais la remarque que on n'avait peut-être pas été très proactif ici au Vinatier de diffuser ces outils et même tous les outils qui ont été présentés là au sein des équipes de soins de psychiatrie.
et que donc il va falloir qu'on ait une discussion. Alors je vais me faire gronder par mon collègue Christophe Icard, parce que je pense que lui qui est très proactif l'a certainement fait sur la formation des infirmiers ambassadeurs, mais c'est vrai que via le mail ou la communication du Vinatier, on ne l'a pas fait, et c'est peut-être un tort, parce que peut-être des équipes de secteur s'en seraient emparées, voilà. Et donc cet outil national Paris-Province de Prépsy Contact, je pense, peut vraiment servir à ça, et avoir une attitude proactive après, une fois qu'on a des outils repérés sur des structures de soins qui n'étaient pas forcément demandeuses à la base. Merci Benjamin. Alors je voulais de mon côté remercier aussi l'équipe de HB Motion, dont vous voyez deux représentants ici et sans qui nous n'aurions pas pu vous présenter tout ça. C'est vrai que Prépsy Contact existe aussi parce que nous avons voulu parier sur les technologies de l'information, vous l'avez compris, et qu'au tout démarrage, la question de la cartographie s'est imposée, en sachant que nous avons fait le tour de toutes les ARS, nous sommes montés jusqu'au plus haut niveau de l'État, et personne à l'époque n'avait la carte complète. Alors peut-être que nous, on n'est pas loin de l'avoir et qu'on n'est pas loin de pouvoir la mettre à votre disposition. Évidemment, derrière, il y a quelque chose de très technologique aussi, c'est très compliqué. Donc, prochaine étape, qui sous-entend de l'ETP, ne serait-ce que de petites mains de secrétariat, et pour ça, il y a un équivalent financier, évidemment, mais bon, on va essayer de continuer là-dessus. Et pardon encore si la carte n'est pas encore complètement opérationnelle. Le bridging dépend de cette capacité que vous aurez et que nous aurons, et j'espère aussi par téléphone, pour les vrais clients finaux, qui sont les usagers et leurs parents, qu'on puisse répondre à leurs demandes pour trouver, avec les outils de cartographie numérique, et je précise que Salima Alegui, là, qui est notre chargée de projet, est géographe de la santé, et c'est aussi un métier inhabituel dont il faut s'emparer tous et toutes. Et encore merci Salima pour ta présence et ton action ici. Et donc l'idée, ce sera de mettre à disposition de ces utilisateurs finaux quelque chose de facile et qui permette d'agir, je terminerai là-dessus, ce qu'avait dit le directeur de l'établissement, au niveau des territoires. Tu conclus pour le déjeuner. Merci Guy, hein, merci à tous les intervenants, merci à tous les participants. Donc nous avons 1h10 de pause pour le déjeuner, et nous nous retrouvons un petit peu après 13h45. À tout de suite.